Allô les amis, comment ça va vous en ce jeudi Ouais, j'ai pas eu de revue de presse à vous proposer euh, lundi, ni mardi, ni mercredi. Mais vous le savez maintenant pourquoi Parce que on était très occupé. Hop, ah, toute la petite team avec Joe, avec Iris du côté du montage pour vous faire cette jolie vidéo sur les Masters de Madrid. Euh, ça valait le coup parce on l'a posté hier soir et elle euh, a, a beaucoup de succès. On est très heureux, beaucoup de vues beaucoup de très gentils commentaires. Enfin, pour tout vous dire, je ne m'attendais pas du tout à, à ce retour aussi positif sur cette vidéo. voilà Donc, c'est le résultat de euh, 3-4 jours à Madrid, de plaisir, de détente et de tournage avec Joe, et puis de 3-3 journées de, de montage qui ont suivi. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas très, très là euh, mardi matin, euh, lundi matin et euh, mercredi matin. Évidemment, j'avais à cœur de vous proposer une revue de presse quand même. Donc, aujourd'hui et demain matin, on est en revue de presse. Demain, ce sera avec nos confrères de l'Ardennais, hein, puisque tous les vendredis on reçoit des confrères de la presse écrite pour parler de l'info, répondre à vos questions sur la manière dont les journalistes font leur métier, dont ils fabriquent un journal, euh, qu'est-ce que vaut l'indépendance des médias aujourd'hui en France, à qui appartiennent les médias, les journaux. Demain on parlera surtout d'info local. comment on bosse dans l'ultra local, même l'Ardennais, sur un petit bassin de population, hein, dans côté des Ardennes, ce sera super intéressant. On est tellement habitué à s'en prendre plein la gueule sur les réseaux que ça surprend quand les gens sont sympas, dit Caradoc. <laughs> Oui, c'est vrai. Je crois qu'il y a. Je ne sais pas combien de commentaires sur la vidéo. On l'a posté vraiment hier soir. Il y a pas loin de 200 commentaires, je crois. Et en fait, c'est 200 commentaires cool. 205 commentaires. Ouais. Et c'est 205 commentaires cool. Ouais. Euh, comme quoi, hein, euh, le monde n'est pas Twitter. 209 commentaires. Euh, comment ça va vous euh, Niyatsuki, merci pour le 7e mois. Yaya 32, merci pour le prime. Adla, merci pour le prime. Thomas, Luc, merci pour le troisième mois. French comment vas-tu Merci pour le 14e mois. Euh, Armaldo, pour euh, cet abonnement. N'impact. Miamem. I am Teza, Les subs de la nuit. Euh, Niyatsuki, je te remercie. C'est pour le septième mois, je ne sais plus. Euh, tu es là finalement. Oui, Marveille, j'ai vu tout à l'heure. Tu... Quoi, hier soir, j'ai laissé entendre que... J'ai laissé entendre. Je, va, je vais épingler la vidéo. Il y a certains qui me dit qu'il ne trouve pas la vidéo. Euh... J'ai laissé entendre que hier soir qu il n'y aura peut-être pas de... de stream ce matin. Hop. Il a, il a, non. Je vous montre ce qu'on fait d'ailleurs ici. Hop. Donc la chaîne de euh, YouTube de Papissa là. Euh, vous tapez Samuel Etienne sur euh, YouTube. En vrai, vous tombez sur moi. Euh, C'est géré par Mathieu qui gère ça excellemment. C'est lui qui s'occupe de la chaîne. Et vous avez ben, ici, bim bam boum. Ah, c'est une chanson ça. Bim bam boum. Bim bam boum. Je t'ai demandé quand ça reprenait, tu m'as répondu, il faut que je dorme. Ah oui, il faut que je dorme. Hier soir, il que je dorme. Hier soir. Il a 4 ans, c'est ça euh... Voilà, ça c'est hop, la vidéo, paf, je vous mets le lien, on va l'épingler comme des grands. Bim, bim, bim. Ben, je vais même mettre un titre. Euh... <coughs> Attendez les monos, je fais ça proprement. Voilà. Tac. Hop. Et je vais l'épingler. Toc. Toc. Et toc, je vais l'épingler. Attendez, Hop. la fenêtre, elle n'est pas bien. Voilà. Détaché. On la laisse pendant le stream. Voilà. Les amis, pendant. Et modo pendant tout ce stream, vous aurez le lien pour la vidéo en haut. Ça ah, quoi, il y a les amis, ah, amis de Libération qui sont là Trop cool euh, Libé qui a lancé sa chaîne Twitch il y a quelques semaines. Ça se passe bien, j'espère. Ah. Euh, Samuel, est-ce que tu peux demander à ta communauté s'ils ont des. Est-ce qu'on peut relayer le. le... Ah, qu'est-ce que je fais là Vous êtes sur. Est-ce qu'on peut relayer le, le message de Simon, là Simon Colton. Samuel, est-ce que tu peux demander à ta communauté s'ils ont des de recommandations en streamer, tu parles de Twitcher, mais je pense que tu parles de streamer qui parle de santé mentale, de dépression, etc. Je ne sais pas s'il y a des streamers, des streameuses qui parlent spécifiquement dans leur contenu de santé mentale. Sache qu'on en parle régulièrement ici. C'est un sujet qui, qu'on qu juge important ici. Et qu'on trouve des articles sur la question, on en parle. Euh, N'hésitez pas à répondre à Simon, euh, qui aimerait trouver peut-être des créateurs de contenu qui parlent de santé mentale. Enfin, en tout cas, c'est un sujet important. Et tu as raison de vouloir en parler. Euh, je réponds à vos questions, c'est mon petit bonheur. Je remercie Léo à l'instant pour le 28e mois. Euh, on me parle d'une émission sur le Twitch Radio Payette. Jean Massier, ouais, Jean Massier a fait des choses euh, récemment. Je pense que tu l'as en replay sur la chaîne de Jean Massier. Il a fait un live là-dessus. On me dit que la cantine en parle. On me dit que Pépin on parle. On me dit que Feldup en parle. Rayou, on a beaucoup parlé. On a mis étoile dans ses tweets ces derniers temps. Hmm. Rayouk qui, qui a été interviewé aussi par un créateur de contenu récemment, je ne sais plus. Et je pense qu'il a dû en parler. Euh, ah oui, le streamer asiatique qui était avec moi à Madrid, ça c'est euh, Mon Isia, c'est un, un streamer sud-coréen euh, qui est une vedette dans son pays, fait de la télé et tout. J'ai pas son nom en tête. Mais si tu tapes Valorant, ouais, remarque, ouais. Euh, en fait, il est sud-coréen, c'est un créateur de contenu, notamment sur Valo. Euh, mais pas seulement, il a fait partie, euh, euh, pour le retrouver c'est simple, il a participé au show match du week-end dernier entre euh, personnalités, euh, entre créateurs de contenu euh, lors de la révélation du nouveau personnage de Valorant. Voilà. Et dans l'équipe internationale, il y avait une équipe espagnole et en face, il y avait une équipe internationale dans laquelle il y avait notamment Fugu, hein, et dedans, il y avait un sud-coréen, c'est lui. On me dit que c'est Jisoo Zhang. Je ne sais pas si je pense bien. Euh, Jisoo Zhang. G-I-S-O-U-S plus loin J-A-N-G ou J-U-S-U-N-G ok Putain, vous avez la ref vous êtes des machines vous Mélissa merci pour les beats la queen Jules Lafamax merci pour les beats ouais trop gentil le gars trop sympa on a casté ensemble avec euh, Fugu et, et Lydia euh... ah oui c'est vrai il faut... alors faut pas le... alors M.G. a raison pas la peine de le chercher sur Twitch car Twitch n'opère plus en Corée sauf que le stream ça n'est pas que Twitch et j'en ai beaucoup parlé avec ce créateur sud-coréen, parce que je ne sais pas si vous savez, mais Twitch a fermé en Corée du Sud il y a quelque temps pour des raisons économiques, parce qu'on rappelle que Twitch ne dégage pas de bénéfices à ce jour. C'est un modèle économique qui est assez fragile, notamment en raison du coût de la bande passante. Et, euh, et, et le coût de la bande passante est beaucoup plus important en Corée du Sud. C'est beaucoup plus cher que chez nous. Résultat, Twitch a fermé. Je lui ai dit, mais comment tu fais Comment tu stream bah, Il me dit, bah, il y a autre chose. Il y a d'autres opérateurs, en fait. Il y en a un autre, notamment. Et en vrai, il me dit, ben, ça marche aussi bien. quoi. Donc, euh, vous le trouverez pas sur Twitch il n'y a plus en Corée du Sud, mais il stream sur un, une autre plateforme en Corée du Sud. Voilà. El Chocolaté, merci pour le 15e mois. Bon stage, Kanae. Euh, oui, ça s'appelle Africa TV en Corée. Ouais, Africa TV. A-F-R-E-E-C-A-T-V, ouais, exactement. Salut Sugar Frog. J'espère que la prochaine fois qu'il y aura des VCT, tu seras là en tant que joueur provalent. Merci, Résolve. <laughs> Tiens, je... à ce propos, de jouer avec des joueurs pro à Valorant peut-être que ce soir, peut-être que ce soir, je ne suis pas en stream, parce que je participe à un petit truc, un petit tournage qui n'est pas un live, avec une équipe pro française d'e-sport. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Euh. Je suis juste invité, c'est pas moi qui suis à l'initiative du projet, c'est un petit truc. Mais du coup, je je, je pourrais peut-être pas streamer. Ah, je voulais vous prévenir. Donc, euh, ah, quelle équipe Est-ce que c'est Vita Est-ce que c'est Gentleman Est-ce que c'est la, la K-Corp euh, voilà. On ne sait pas. Je ne vous dis rien. Pépin Camille, merci pour ce 32e mois. C'est adorable, merci Camille. Euh, Doc Chiwi, merci pour le 5e mois. Maël QSD, merci beaucoup pour le petit mot sur euh, la vidéo. Euh, au Masters de Madrid et pour le huitième mois d'abonnement. Salut les geeks, nos dinéos. Mmh, pa -pa 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 -pa. Merci euh, Zender pour le message sur la vidéo. Vous êtes trop cool. Hein? Bon, on est content parce qu'on a beaucoup bossé sur cette vidéo, mais on pensait pas qu'elle qu sera accueillie aussi euh, euh, positivement. Ouais, C'est très marrant le nom de Africa TV là, en Corée du Sud parce que ça n'a rien à voir avec l'Afrique, mais ça s'appelle Africa TV. C'est très bizarre. Ouais. Celui qui réglera les problèmes de bande passante de Twitch sera millionnaire, dit Fredo. Je crois que tu as raison. Exactement. Allez, je vous voulais un petit peu. C'est mon petit bonheur du matin. C'est meilleur qu'un café pour se réveiller. Euh, tellement hâte de voir votre, euh, votre compétition sportive JO euh, streamer France T. Je trouve le casting dingue, merveille. C'est pas faux. On l'a révélé hier soir sur nos streams respectifs avec euh, la misérator. Voilà. C'est euh, euh, n'hésitez pas à venir nous voir IRL à l'Arena euh, à la défense Arena, là puisque il y, a, euh, on sera, il, y des, il y aura des milliers de personnes dans le public. Les places sont en vente de, de, depuis hier soir à partir de 20 euros. Vous trouvez ça assez facilement sur le site de la Défense Arena. Et d'après ce qu'on m'a dit, ça partait très, 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 très vite. Voilà. Euh, on, sera, on, sera, on sera une quarantaine sur place de visages euh, côté créateur de contenu, Twitch, YouTube, TikTok, et côté France Télévisions, et côté euh, athlète de haut niveau. Voilà. Donc, euh, voilà, avec huit équipes de quatre candidats, je le rappelle, euh, chaque équipe mélangera justement les, les créateurs de contenu et, et les visages de France Télévisions et les sportifs de haut niveau. Ça va être une dinguerie. Et on sera au cast avec Cécile Gray, que j'adore, qui est une journaliste sportive de France Télévisions que j'aime beaucoup, qui est hyper calée en sport, avec Zerator et, euh, et avec moi-même. Voilà. Puis il y aura les surprises, il y aura JDG qui aura un petit rôle sympa, il y aura PA parmi les compétiteurs, il euh, y aura le, le Xari, il y aura le Fast, donc il y aura. Pff, voilà. Mathieu me dit qu'on a passé des 50K, 50 000 vues sur la vidéo qu'on a postée hier soir. Quoi. What, what, what What, what, what Norah, je merci pour le 15e mois d'abonnement. Ponzi, a merci pour le deuxième mois d'abonnement. Vous êtes super. Cécile, il faut qu'elle revienne au rugby. Passionnée de rugby. Ouais. Merci, je croyais que c'était annulé, le truc au top. Non, Raoul euh, Razorback, ça a été revu un petit peu. Ça a été revu. Donc moi, je vous avais vu, je n'étais pas, pas annoncé dans la première version là, qui, a, qui a fait... Euh, qui a fait provoquer quelques réactions maintenant je suis dans l'aventure et, on, et le, voilà le, le casting a été revu euh, on a parlé de euh, façon assez transparente hier avec Zera là dessus et, et là ça, ça a l'air fine pour tout le monde quoi. Voilà. Tonton Buzz qu'est-ce qui a été revu par rapport à l'annonce la, initiale alors je, je vais pas refaire le live hier soir puisqu'on a j'ai lancé un live à 19h hier soir euh, à 19h30 on est sans, ensemble avec Zerator jusqu'à 20h et des brouettes. Donc pendant, on en a parlé pendant plus d'une heure. Tu m'en voudras pas de ne de pas refaire tout le stream d'hier soir là-dessus. Tu l'as en replay sur ma chaîne Twitch, il si est abonné. Sur la chaîne YouTube de Papy Sam, euh, je pense qu'elle est déjà disponible à partir de 13h. Donc tu as toutes les infos sur cette nouvelle version. Et, euh, et ça doit être sur la chaîne de Zera aussi. Nora, je merci beaucoup pour le 15e mois. À propos de Zera, j'ai un problème. J'ai un problème propos de Zerator. Il y a Mathieu de la chaîne VOD qui nous dit qu'il est en train de, 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 de mettre en ligne sur Youtube euh, le stream d'hier. Il y a la Zidane qui arrive. Il y a la Zidane qui arrive. Bon. La Zidane. La Zidane de Zera. La grande fête du jeu vidéo. Euh, bientôt euh, va être révélée la liste de la dizaine de jeux sur lesquels on va pouvoir traillarder pendant un mois je crois. Euh, pour euh, pour s'amuser et jouer ensemble à Montpellier. J'ai très envie de participer à cette Zilane. J'ai très envie de prendre trois jours pour aller à Montpellier avec deux amis, petite équipe de trois, et me faire laver dès le, dès le premier jour, parce qu'évidemment, je ne vais pas passer le premier tour. Hein, vous connaissez mon niveau en, en jeu vidéo. Voilà, J'ai très envie. Mais, mais, non. Alors, ouais, let's go, let's go, ce serait trop drôle. ouais Mais les gars, 10, 12 jeux à, à bosser, à bosser. Euh, sur lesquels je dois m'entraîner, à tryarder quoi. Même si je ne les fais pas tous à fond, quoi. En l'espace d'un mois, alors que j'ai question pour un champion, ça me plaît, euh, la matinée étienne, le rendez-vous du vendredi avec les journalistes, euh... et puis plein, plein, plein de trucs en prépa, là. Plein, plein de trucs en prépa qui arrivent sur cette chaîne. Euh, ouais, la vie de famille, euh, Diesel. En fait, je. Et Valorante, et ma passion dévorante pour Valorante, ça rime. Comment je fais ça en fait je, peux... en fait, je pense que ça passe pas. Je pense que ça passe pas. Plus la course à pied, les streams de course à pied qui faut... Ouais. Vas-y, les mains dans les poches, sur un malentendu, ça peut passer. Ouais. T'inquiète, il y a des participants qui ont déjà participé sans lancer les jeux avant, on me dit oh, OMG slide. Ouais, mais c'est pas respectueux, je trouve. Tu vois? Que enfin, je... non, je ne dis pas ça pour les autres, mais. Je trouve que avec mon niveau, là, claquer au sol, y aller sans aucune prépa, c'est pas trop moi, ça. Moi, j'aimerais bien au moins... Euh, pas... Par respect pour les deux teammates de, 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 de la team et pour les autres compétiteurs, de ne pas prendre une place, parce qu'il n'y a pas des places à l'infini. Hein. Euh, Rixal est d'accord. Vous voyez, je n'ai pas envie de prendre une place qui pourrait être occupée par quelqu'un d'autre euh, sans le faire sérieusement. Ouais. Ou alors tu deviens ninja, tu vas prendre le multiclonage comme, comme dans Naruto. J'ai la ref à la stère. En vrai, c'est pas mal ça. Vous pensez que je peux apprendre le multiclonage dans l'espace de quelques semaines hmm. Bah voilà, Diazé d'accord. Ben, c'est pas très respectueux, j'avoue, t'arrives les mains dans les poches juste parce que t'es monsieur Chivre. Ouais, sauf que quand tu t'appelles monsieur Chivre, du coup, il n'y a pas trop de place dans tes poches, mais ceci est un autre débat. Euh, passons, à, passons à la suite. Ouais, tu vois. Donc euh, voilà, je me pose la question. Mon épouse, qui est hyper compréhensive, on, on en parlait ce matin dans la salle de bain, c'est une vie passionnante. Elle me dit Ouais, qu'est-ce que tu fais pour le long week-end, là Je sais pas quoi, là et, euh, et je lui ai dit, euh, bah je lui ai dit bah justement, alors, imaginez la scène. Imaginez la scène, mon épouse qui me tient, qu'est-ce qu'on fait pour le week-end en famille le, le week-end Est-ce qu'on ne ferait pas un truc Alors, ah bah justement, euh, je voulais t'en parler. Euh, Peut-être, potentiellement, j'irai à Montpellier euh, pour jouer aux jeux vidéo avec des potes. Le mec, il a 52 piges le matin il dit à sa femme qu'il va peut-être pas euh, euh, les emmener au week-end euh, de Pâques là, je sais pas quoi là enfin un week-end allongé là parce que je vais jouer euh, hein, avec des potes en LAD à des jeux vidéo quoi réaction ce matin d'Hélène ah ouais cool trop trop, trop bien euh, c'est super euh, bah, bah ouais let's go vas-y bah, oui, mais non, parce qu'il faut que je m'entraîne et tout. Elle me dit. Eh ben non. Eh ben, elle, est, elle, est, elle est super. Elle est super euh... Ah, ou ouais. ah, je l'emmène à Montpellier bah, Bien sûr. Ah, bah oui, week-end Montpellier en famille, c'est réglé Ah, bah oui, j'ai pas pensé à ça. Bref, elle m'a dit yes. Ah, sinon, j'emmène la famille à Montpellier. C'est joli que d'ailleurs je vais dans quelques semaines, je vais participer à un salon, un salon du jeu vidéo en région, dans une grande ville de région. On m'a invité à être le guest. Et, euh, et du coup, j'emmène toute la famille euh, avec moi. Ouais. Comme il y a des gamers à la maison, voilà. les, petits, les, les, petits, les petits chouchous. Voilà. Donc, euh, je vais faire ça aussi. Je n'ai pas pensé, en fait, Montpellier. Ah ouais. Et comme je vais me faire euh, éliminer le premier jour, bah, du coup. Euh hmm. Euh, bonne question dit Fatou salut Sam est dis-moi est-ce que Attal Gabriel Attal Premier ministre a pété les plombs ou quoi hier soir ou c'est juste un gros coup de com' pour faire réagir tu parles des annonces sur le chômage on en, parle, on en parle dans un instant dans la revue de presse alors est-ce qu'à votre avis tiens on va faire un sondage est-ce qu'à votre avis je dois participer à la Zilan alors que je ne vais pas pouvoir m'entraîner et que j'ai un qu'est-ce que j'ai fait hein et que j'ai un un niveau en jeu vidéo que vous connaissez qu'on n'a pas fait un sondage sur cette chaîne Let's go. Hop, hop. Le premier hop, c'est oui, Papy Swam doit participer à la Zidane. Deux, euh, c'est non. Trois, je ne sais pas. Voilà, le sondage est lancé. Vous avez deux minutes. Let's go. Sachant que, bah, je vous ai dit, euh, moi ça me plairait trop, je trouve ça trop drôle. Euh, mais euh, voilà, est-ce que j'ai le temps de m'entraîner sérieusement C'est ça la question. Quoi. Bah, par contre, l'histoire de la famille, c'est peut-être euh, réglé, parce que pour le coup, je peux peut-être aller... Euh, Peut-être emmener tout le monde, quoi. Hmm. J'ai plus le stream, Hermanino21. Euh, en tout cas, t'as le chat. <laughs> ouais, je sais. Ouais, euh, Monogouche, j'ai vu que BDS, c'est une équipe suisse qui joue en France, mais ça n'est pas une équipe française. Tu as raison. Mais merci pour le message sur la vidéo. Tu as carrément raison. Ouais, comme ça, j'ai un minimum mon week-end en famille. En... Ouais. On en est où l'achat des flambis euh, C'est en route, Garf, j'ai commandé mes palettes. Euh, ouais, le sondage est, est arrivé à peu près à la moitié. Il euh, y a une des deux réponses qui est largement majoritaire. Emmène ta famille, regardez la Zidane et quand tu seras éliminé, tu pourras aller faire du tourisme avec eux à Zarn. En vrai, c'est pas mal. C'est hyper dur, me dit Fanta, la Zilane, il faut un minimum d'entraînement sur tous les jeux. Si j'y vais, je vais le faire. Obligé ben, vous connaissez mon caractère. Ouais. Euh, et et, et, ça, et ben, du coup, ça fera des streams parce qu'on va s'entraîner sur ces jeux. Quoi. voilà vous allez, me, vous allez me carry, vous allez me, me backciter à bord. Il mm. n'y a pas les propositions, euh, Samuel, sur le vote. Il ben, y a quand même, a quand même euh, 300 personnes qui ont déjà voté. Donc. Euh... Ah, mais certains ont un bug sur le sondage. D'accord. Ouais. C'est vrai qu'il y a moins de participation que d'habitude sur le sondage. Ouais, il faut peut-être quitter et relancer. Ouais, mais c'est vrai que j'ai que 400 votes. C'est peut-être Twitch qui a, qui a changé son son, son truc de sondage, j'ai l'impression, non bon, on a un résultat. On a un résultat, je vous montre. On a, au final, euh, presque 400 personnes qui ont voté. Bah si, c'est pas mal, 400 personnes. Euh, oui, je dois participer à la ZILAN. Non, 15%, je ne sais pas, 11%. Voilà. Est-ce que tu es plus joyeux ou mélancolique par tempérament, lumière de café on est, on est les deux, on est tous les deux, en fait. Tempérament, mélancolique, joyeux, les deux. Je pense que j'étais un enfant et un ado un peu mélancolique. Mais euh, je, je suis un adulte plus joyeux que l'ado que j'ai été. Voilà. Quoi que bien faire des conneries, quand même, je ne sais pas. Un peu, on est un peu tous les deux, non après, ça dépend des, des chemins, des actions de la vie qui nous font basculer d'un côté ou de l'autre, en fait. C'est ça qui est beau aussi, quoi. Rien n'est rien déterminé, tout, enfin, tout bouge en permanence, quoi. Mm. Salut euh, Julien, bonne journée. Désolé, euh, tu sais, au début, il y a toujours la petite intro. Donc, je n'ai pas pu commencer les articles, mais on, on démarre dans un instant. La limite ici, c'est 30 minutes de bonjour, max. Après, euh, on va sur le contenu. Rémi107, merci pour le 7e mois. BoboDev, merci pour le 24e mois. Euh, la bouteille à pipi, elle est là, elle est juste dessous. Là. Je réponds à ceux qui ont vu la vidéo. Il ne faut pas qu'ils qu mettent Valorant à la Zidane. Bah, si, faut il le mette, faut qu'ils le mettent. Ah, bah, J'espère bien qu'il y aura Valorant à la Zidane. Parce que là, je pars avec un avantage certain, vu mon niveau de fou. Je vous rappelle que euh, je suis euh, faire 3. Enfin, je suis redescendu en faire 2 hier, mais à quelques points, à 4 ou 5 points de faire 3. Ça va, ça va lancer de la renquête dans pas longtemps. Hein. En solo queue pour aller chercher les points pour le faire 3. Euh, voilà. Peut-être pas ce soir, parce que ce soir, il y a un petit tournage. Mais euh... Un team old school avec Marcus serait drôle. Akamadu, c'est plutôt marrant ça. Bouffe mon boule, euh, c'est un pseudo intéressant que je valide. Ici, on est assez euh, euh, en validation des pseudos, même les plus dingues, même les plus étranges, même les plus fins comme celui-ci. Euh, bouffe mon boule, je valide. Ouais. Et je remercie cet énorme raid de la Miss Citron Violet, hein, ce streamer français qui vit euh, au Japon et qui vient de nous faire un magnifique raid de 300, euh, de plus de 300 viewers. Euh, Zakuski, c'est à l'air de bonne humeur aujourd'hui. Ah ah ah. C'est quoi c'est l'info c'est quoi C'est que d'habitude je fais la gueule de... tu... Hein C'est ça C'est ça, que... ça que tu dis en... tu... tu veux que je devienne de mauvaise humeur Il ouvre ton message là ton message là. C'est quoi ce message là Attends, attends, il euh, est où attends, 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 on a perdu le message. Merde, vous l'avez supprimé, les modos Parce que vous saviez que ça allait m'énerver Attends. Euh, ce euh, que Kitty, je t'ai découvert en faisant du Valorant, je suis curieux de découvrir ce que tu fais d'autre. Bah, tu vas voir. Tu vas voir, c'est... Bon, c'est moi, c'est l'actu quoi, c'est l'actu, mais c'est notre kiff. Euh, Clément, Hello Samuel. J'apprends que ma femme, la femme de Clément, coucou, qui est dans la pièce d'à côté t'écoute pendant que je te regarde aussi. Elle est là pour la première fois. Si tu arrives à dire bonjour à Estelle, ce serait trop rigolo. Effectivement, j'imagine la scène. Estelle, qui a rien demandé à personne, qui est tranquille, euh, voilà, en mode, en mode discret dans la pièce d'écouter, à écouter son premier stream de Samuel Etienne, voilà, et bam, elle se retrouve sous les feux des les, les projecteurs. Est-ce que vous pourrez, pour pousser la gênance assez loin par rapport à Estelle, est-ce que tout le monde dans le chat peut dire ⁇ Bonjour Estelle Estelle, on t'aime !⁇ Voilà, c'est parti, let's go. L'insulaire, 987, merci pour le prime. Jérôme, 78, merci pour le prime. Citron violet, merci pour le magnifique raid, une fois encore. C'est parti, bon. <laughs> Pauvre Estelle, qui n'a rien demandé. Ouh la pauvre Estelle coucou coucou on est là coucou c'est nous tout 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 ouais merci Mox Rose euh, je me pose la même question euh, Big Brother qui demande euh, mais que devient Julien Lepers il est vrai qu'on n'a aucune nouvelle de lui Julien Lepers qui était très actif ces dernières années même après son départ de question pour un champion qui donnait beaucoup d'interviews qui allait dans beaucoup d'émissions qui tweetait énormément du jour au lendemain plus rien et là, je... Alors pour le coup, je plaisante pas du tout. Et en fait, en vrai, ça m'inquiète. Je... Personne n'en parle. Il y a Estelle qui arrive dans le chat et qui dit merci pour la gênance et bonjour à tous, trop mignon. Personne n'en parle. Moi, ça m'inquiète. Euh... J'ai son... son téléphone, d'ailleurs, je suis fier par lui envoyer un message. Ouais. Euh... Et en ouais, aucune nouvelle du jour au lendemain. Il y a Boré qui dit après des années, il kiffe peut-être sa vie. Bah, si c'est ça, en vrai, c'est cool. Ouais, Peut-être qu'il est super heureux. Ouais, mais euh, c'est bizarre parce qu'il était quand même très communicant ces dernières années. Ouais. Je lui ai envoyé un message. Il y a Brou qui me dit il profite de Nice, t'inquiète pas, Julien va bien. Je sais qu'il est de Nice. Alors, si tu as une nouvelle de Julien euh, et qu'il va bien, tout va bien alors. Il est dans sa maison de campagne, son fils faisait des lives tout le temps, ok. S'il est heureux, ne le dérangeons pas plus. Ouais, bah, je suis d'accord. Okay. Il est en train de construire son PC gaming me dit Bouffe mon boule. Okay. Tu peux dire que tu l'as enterré dans ton jardin on dira rien, dit Bucky. Vous êtes cons. Hein. Fais pas gaffe Estelle. ils sont bizarres ici. Hein. Merci Dark Didou. Bon, 30 minutes tout pile d'intro. Pour ceux qui sont là pour la première fois, eh ben, on va respecter la règle. Hein. Je vous rappelle que euh, ici, on aime bien dire bonjour, on aime bien euh, prendre des nouvelles des uns des autres, euh, dire des, des blagues, lire des pseudos euh, bizarres, tout ça, mais, mais à un moment, et je me dois de vous proposer un petit peu de contenu aussi. Donc, j'ai apporté ma petite euh, tablette, euh, qui est très grosse, en fait, parce que à mon âge, il faut des gros caractères, et j'ai lu la presse pour vous de bon matin, et je vais vous dire ce qu'il y a à retenir dans les journaux ce matin, et des trucs intéressants, notamment parler euh, de lutte contre le chômage avec euh, des envies. Euh, <laughs> De rendre les indemnisations un peu moins sympas, vous allez me dire encore, ouais, du côté du gouvernement, notamment. Euh, <laughs> mais le problème, c'est que vous m'envoyez plein de messages cool. Nadit qui dit qu'il dit, mais moi, j'étais juste venu pour les pseudos bizarres. Moi aussi, j'adore. <laughs> moi aussi. Allez, on y va. Une fleur des champs sauvages, merci. Pour ceux qui ne peuvent pas rester avec nous très longtemps, je vous donne euh, un petit résumé. En cinq minutes, je vous dis ce qu'il y a dans les journaux euh, ce matin. Euh, et, et après, on prendra le temps de lire tous ces articles. Je parle un peu du dé, par contre, j'ai pris un petit peu froid, pardon. La lune du monde, c'est celle-ci. Travail et chômage, la ligne dure de Gabriel Attal. Bon, moi, c'est le mérite d'être simple. Si vous êtes euh, demandeur d'emploi euh, ou sur le point peut-être de le devenir, bah, sachez que... Euh, euh, L'indemnisation chômage qui s'est déjà durcie ces derniers temps en France, et eh bien, euh, ce n'est peut-être que le début. Voilà. Euh, le Premier ministre a organisé hier un séminaire sur le thème de l'emploi, répétant que le travail devait toujours mieux payer que l'inactivité. Depuis deux mois, rappelle Le Monde, hein, qui a un qui est assez équilibré dans son dans ses analyses, je, je trouve, qui amical voit de fac, merci pour le 31e mois. L'exécutif évoque une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui qui durcirait, euh, et moi je rajoute qu'il durcirait encore. Euh, les règles en raccourcissant la durée d'indemnisation. Voilà. Au risque d'appauvrir les plus pauvres, écrit Le Monde, <coughs> ce discours musclé a pour double objectif de séduire les classes moyennes et de réduire les dépenses publiques. Le Monde, en quelques mots, a hyper bien résumé le débat. Et ça, c'est difficile. Parce que, pardon, mais parler du chômage, parler de l'indemnisation du chômage, des projets du gouvernement, ce n'est pas un truc très simple. Mais le talent de certains journalistes, c'est d'arriver à rendre assez clair des choses plutôt compliquées. Je trouve que Le Monde le fait très bien. On lira le papier euh, du Monde, mais du coup, moins de cotisations, dit euh, Overbz. Bah, <laughs> c'est ça l'arnaque Bah non. <laughs> non. non, on cotisera autant. Hein. Donc à faire. Alors l'humanité est très en colère. Hein. Attal déclare la guerre aux chômeurs. Euh, Gabriel ça s'abat sur l'assurance chômage donc on verra l'analyse, le, le regard de l'humanité sur, sur cette nouvelle réforme qui n'est pas annoncée officiellement hein, c'est dans les tuyaux comme on dit hein. et puis alors vous allez me dire mais alors Samuel oui mais alors là tu ne donnes qu'une version euh, du côté du gouvernement ben, on pense peut-être que c'est une bonne chose hein, de, de, de durcir euh, l'indemnisation euh, euh, des, des, des personnes en, en recherche euh, d'emploi est-ce qu'il n'y a pas des gens qui pensent que c'est cool Ah bah si bah j'en ai trouvé sinon c'est pas drôle Hein et je suis allé voir euh, l'opinion, l'opinion qui est un journal libéral, hein, qui, qui prône le libéralisme en matière économique sans s'en cacher du tout, hein, qui est plutôt proche des entreprises et qui dit, bah non, 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 c'est une réforme nécessaire, c'est une réforme nécessaire de l'assurance chômage. Pourquoi On ira voir les arguments. Hein. C'est ça qui est intéressant aussi, euh, c'est de voir les arguments de, des, des, quand il y a deux camps sur un sujet, des deux camps pour, pour voir euh, quels sont les bons euh, arguments et ceux qui sont moins convaincants. Voilà. Il y a Tsek qui me dit :« Je suis conseiller France Travail, hein, c'est l'ancien Pôle Emploi qui lui-même était l'ancien euh, ANPE. Sachez qu'une grande majorité de mes collègues et moi-même sommes outrés par ces annonces et en total soutien avec la situation des demandeurs d'emploi. On lira l'opinion, on lira aussi. Euh, merci à le chien qui mort pour le petit message sous la vidéo. Euh, ce dossier dans la croix, là aussi bien fait parce que ça aussi c'est un sujet extrêmement complexe. Hein, euh, le trafic de drogue en France et la lutte contre le trafic de drogue, une lutte dont on a l'impression qu'elle qu ne marche pas hein, depuis euh, des années déjà. La guerre sans fin, dit la Croix, C'est pas la première fois qu'on en parle ici, mais ça me semble un sujet suffisamment important, notamment par ses conséquences sur la sécurité et la santé, euh, qu'il faut en parler. Pour lutter contre les trafics des stupéfiants, le gouvernement vend des opérations place nette des opérations un peu spectaculaires, décriées par de nombreux acteurs de terrain. On verra ce qui se passe dans certaines villes. Hein, des villes que jusque-là étaient plutôt épargnées par euh, euh, les violences liées au trafic de drogue comme comme Dijon ouais euh, exactement Jacoto en parle dans le chat à l'instant en nous disant à Dijon en ce moment c'est le bordel ça tire à tout bout de champ et eh ben c'est pas faux euh, le, la croix en parle à Rennes aussi à Rennes c'est chaud hein? et on se penchera sur l'exemple allemand puisque euh, depuis les dernières élections législatives en Allemagne hein, il y a un bon moment déjà on sait que allait être mise en place une expérimentation de la légalisation de l'usage du cannabis récréatif Sauf que ça a mis vachement de temps pour se mettre en place. Hein, voilà, entre l'annonce et la réalisation, c'est fait. À partir du 1er... Premier... Ouais, Dijon, ah ouais, Dijon euh, Valentina, c'est super chaud. Hein. Euh, Valentina a super surprise, mais non, super chaud, disons. Euh, à partir du 1er avril, et c'est pas une blague, et c'est pas une blague, eh bien, en Allemagne, légalisation, légalisation, légalisation. Comment ça marche Comment c'est mis en place Quels sont les espoirs Quelles sont les craintes On verra ça dans la croix, super intéressant. Donc, cela dit... Ouais, bon, alors il y a un MMG qui est, su, qui, est, qui est prêt à partir en Allemagne. Je viens de dire 1er avril. Il y a un MMG, modérateur de cette qui dit, ouais, c'est ce dit En mode, tu sens, tu sens que la voiture est prête. Hein. Tu sens que tu sens que les billets sont prêts. Hein. MMG, c'est parti, c'est ça C'est dans ton agenda il y, a, il, y a du, il y a du stabilo, il y a, il y a du rouge, euh, comment ça se passe C'est pas un poisson d'avril. Premier... <laughs> MMG, dans son agenda, il a mis 1er avril, minuit. Une seconde, <laughs> bim. Coïncidence, je commence à travailler en Allemagne le 2 avril, me dit Balin du chef. Coïncidence. Ah. Ah. C'est quoi ton pseudo, Balin de quoi, Balin du chef, <laughs> Balin du chef. Le 1er avril, la consommation de cannabis récréatif est légalisée en, en, en Allemagne, et tu et tu commences à bosser le 2 avril en Allemagne. « Tu te fous de notre gueule !»« Tu te fous de notre gueule !»« Banane du chef !»« À d'autres !» comme dit Billy Bombard. « Je ne sais pas si la famille de Banane du chef nous regarde, mais j'espère que vous n'êtes pas dupes !»« Comme par hasard !»« Comme par hasard hein? !»« Il a tout prévu le bougre !» comme dit Bernays. « Bizarre mon ref, dit Emilien. « Étrange hein? !» Et il y a Blue Label Run qui va comme par hasard en Allemagne dans deux semaines. « Bah ouais ah ouais. Pas à nous hein. ah, bon, mon rigole, on rigole. Euh, la une de libération hyper intéressante, ils feront jamais ça en France. Ah bah Je suis d'accord avec toi, je peux dire que c'est pas à mon humble avis. C'est pas demain, c'est pas demain que ça se fera ça en France pour des raisons qu'on évoque assez régulièrement ici. Bon. Arrêtez de balancer de la bouffe. Particulier, entreprise, collectivité, arrêtez de balancer de la bouffe. Un dossier, mais de dingue dans Libération. Un milliard de repas gaspillés chaque jour dans le monde, hein, pas en France. Non, jetez plus. Ouais. Euh, gâchis alimentaire, poubelle époque. Selon un rapport de l'ONU, c'est ça l'actu. Euh, publié mercredi, au moins un milliard de repas ont été gaspillés chaque jour en 2022. Une tragédie mondiale aux effets catastrophiques pour la sécurité alimentaire, pour l'environnement, pour l'économie. Aucun particulier balance de la bouffe. Manung. Alors, Manung, ça, ça s'appelle du ressenti. Il y a Manon qui dit Mais aucun particulier balance de la bouffe. C est, c est, alors, ça, c'est très français. C'est pas de notre faute. Eh, hey, reviens-toi. C'est la faute des autres. C'est la faute des entreprises. C'est toujours la faute d'entreprises. En c'est la faute des collectivités. C'est la faute de l'État. C'est la faute du pas, pas, euh, ben Les chiffres, ils te disent exactement l'inverse. Les particuliers, ils, ça balance, ça balance énormément. Ils sont pas tout seuls, mais énormément, quoi. Donc, ton ressenti, c'est ça. Peut-être que toi, tu balances pas, d'ailleurs. Mais tu vas voir que les chiffres disent exactement le contraire. Euh, on, verra, on verra ça. Et on verra ce qu'on peut faire euh, là-dessus. Voilà. En tout cas, les conséquences économiques et, et, euh, et environnementales, elles sont catastrophiques. Vous voulez une petite bonne nouvelle Parce que j'en ai pas souvent des bonnes nouvelles, moi, dans la revue de presse. La France, on est bien. La France, on est bien. Ouais. Dans le classement. Euh, Mondial et européen, des gens qui gaspillent de la bouffe, eh ben on est très bien placé. On gaspille beaucoup moins de bouffe que la plupart, euh, non seulement de nos voisins européens, mais que les pays du monde. Oui, mesdames et messieurs. Oui, mesdames et messieurs. Oui. Ouais, voilà. Donc, on peut faire mieux, mais on en fait déjà pas mal par rapport aux autres. Hmm. Bizarre, en Europe, les... j'ai pas compris pourquoi, mais les Portugais. Euh... les Portugais tout en haut, là, je sais pas ce qui se passe, là. Les Portugais, euh, par personne, par an et par kilo, 124 kilos de bouffe balancée euh, à la poubelle. Par personne, par an. 124 kilos. Nous, on est à 61. C'est-à-dire que les Portugais, ils balancent deux fois plus. Les amis portugais, là. Qu'est-ce qui se passe avec les Bacalao, Bacalao, le de Nata, tout ça, là Qu'est-ce qui se passe Vous n'aimez pas la morue, ou quoi J'ai le chat. Hein. Vous avez vraiment des, des idées reçues sur les Portugais, là, les poncifs, là Si vous n'aimez pas la morue, arrêtez de manger de la morue Hein C'est pas possible, ces, ces idées reçues sur les Portugais, là. Mais en fait, il y, y a un truc, quoi. Hmm. Peut-être parce qu'ils mangent beaucoup de poissons et que c'est un produit fragile. Peut-être. Je me suis tatoué le mot bacalao, me dit Thibault. Ok, pas de problème respect, on juge pas, on juge pas les tatouages ici, les tatouages c'est très personnel Red Metal merci beaucoup pour le deuxième mois d'abonnement on en parlera ouais bacalao et puis un petit peu de de, de foot wow, je donne pas trop les résultats des matchs au quotidien moi mais par contre je trouve ce, ce, ce dossier intéressant vous savez que là, là, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent en France dans pas longtemps, je sais pas si vous avez, si vous avez vu cette petite info qui arrive là Pareil, paraît que ça va un petit peu désorganiser euh, la vie à Paris, enfin bref et, euh, et donc, euh, parmi les, les épreuves, il y a du foot. Il y a du foot. Alors c'est un peu encadré. Hein. Tout le monde peut pas jouer. Euh, je crois que notamment que euh, il y a un nombre limité de joueurs pro au-dessus d'un certain âge. Voilà. Bref, reste que nos meilleurs jeunes joueurs français, euh, y compris un Mbappé par exemple pourrait tout à fait jouer. Voilà. Voilà, on a le droit qu'à trois joueurs pro au-dessus de 23 ans, exactement. Mais en dessous de 23 ans, il ben, y a des excellents joueurs euh, voilà, pro euh, euh, français qui évoluent en France ou étrangers. Donc Thierry Henry, euh, le sélectionneur, il était prêt à nous faire une équipe de malades pour euh, viser euh, un podium, quoi, sinon une médaille d'or. Et eh bien ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que disent les grands clubs étrangers euh, de l'idée de libérer leurs joueurs français pour jouer les JO Ben euh, non, les gars. <laughs> on a acheté Bidule, 40, 45 millions, là. On va pas te le libérer deux mois avant la, la reprise de, de la saison. Euh, il va se blesser avec tes conneries, là. Mm. Bon, d'accord. Ben, le Real, par exemple, avec euh, Mbappé quand il sera là-bas, quoi. Et, euh, et que disent les clubs français les, les, les clubs français un peu de l'élite, qui ont de très bons joueurs aussi. Et là, on va se dire bah, les clubs français, les gars, ils vont faire un effort c'est la France. Bah, ils sont en train de dire, comme le Stade Rennais par exemple, quelqu'un le disait dans le chat, oh bah, ça ne nous arrange pas votre histoire de Jeux Olympiques là. Et, et nous on a la, on a la saison de, de Ligue 1 préparée, on a le tour préliminaire de la Ligue des Champions, euh, euh, tout ça. Et donc euh, à Rennes, par exemple, on dit bah, vous en aurez peut-être, mais vous n'aurez pas tous les joueurs que vous voulez. Voilà. Bon, alors, et l'équipe, ils gueulent. Ils disent libérez-les. Ils ne disent pas euh, legalize, legalize it, voilà. petit clin d'œil au, au débat précédent, mais ils disent libérez-les. Voilà. Hmm. On verra ça. En tout cas, l'équipe, ils sont en colère. Il dit ils... Oh, bah, j'ai pas, pas mis le. Regardez, j'ai même pas mis l'horoscope du parisien alors que. Allez, on va se faire un petit plaisir. Let's go, le parisien. Et à la fin, je vous mettrai un petit horoscope du parisien pour qu'on se fende un petit peu la gueule. C'est pas très scientifique, l'horoscope. C'est même n'importe quoi. Mais hop, petite capture d'écran. Et hop, et je vous mettrai aussi un petit horoscope du parisien pour terminer. Voilà le petit, petit menu. Je ne vous ai pas mis un milliard d'infos. Je vous ai mis ce qui me semblait le plus intéressant. Et slash le mieux fait. Un petit café, je vais me chercher mon thé qui m'attend. Euh, licorne, capricorne, taureau, poisson, c'est tout à l'heure l'horoscope. Le, J'y connais rien mais c'est pas un bon moyen de faire euh, gagner de la valeur à un joueur, dit euh, Kinema Live. Ouais, je pense se pense plutôt. Alors euh, c'est chiant à court terme, quoi les matchs quoi. Hum. Samuel, ce soir c'est tout do dodo, es privé de gaming. Comment tu sais Alors j'ai un petit tournage sur l'e-sport ce soir, mais effectivement, j'ai pas sûr que je puisse lancer un. Oh merde Un streaming. C'est pas sûr que je puisse lancer un streaming. Ouais. Il faut tester de nouveau perso. Ouais, ouais, c'est prévu. Non, mais ce soir, j'ai un petit tournage sur de l'e-sport avec une équipe d'e-sport française, une grande équipe française d'e-sport. C'est pas, pas, pas un stream, c'est un tournage. Mais donc, du coup, je suis pas sûr. Euh, parce que demain matin, je serai en revue de presse avec vous et avec les confrères de l'art de mmh. Ok. Est-ce que c'est les abeilles jaunes Est-ce que c'est la cassée Est-ce que c'est. Est-ce euh... que c'est. Je ne dis pas. Je dis pas. C'est une des toutes top équipes. Voilà. Je dis ça, je ne dis rien. De plus, un tourn... je ne sais même pas trop ce qu'ils vont faire. C'est un tournage. Petite compète d'e-sport. Puisque maintenant, je vous savez que je suis considéré comme un, un champion d'e-sport. Pour ceux qui l'ignorent, je suis. C'est ma nouvelle occupation principale. Hein. Je rappelle que voilà, ma nouvelle vie, c'est ça. Ici, si on est champion de Et donc, euh, on m'appelle on, on à des... on, 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 on. Faire deux. faire deux, slash, faire trois. Hein. Je suis pas loin de faire J'ai 4-5 points à mettre et je suis de nouveau faire trois. Hein. Donc voilà. Euh, Carmine, Vita, Gentlemates Mates. Je sais pas. Je dis rien. Solari. Je dis rien. Je dis rien. Je vous ne dis rien. Vous ne me tirez pas les verres du nez, d'autant que je n'ai pas de verre dans le nez. Je vérifie régulièrement. Je, je, régulièrement, je m'inspecte le nez avec une petite lampe. Et je n'ai pas de verre dans le nez. Merci Tomorrow pour le incroyable, la vidéo sur les VCT de Madrid. Je suis très heureux de l'accueil qui est réservé cette vidéo. Je vous rappelle qu'ici maintenant on fait des ace. Hein. Kamel stream pas ce soir. Ah, euh, ah bon. T'es sûr, euh, la Lacrème ok, Ah bon, c'est sûr. Mmh. Bizarre, je me donnerais. Tranquille. C'est qui En ce moment, le soir, je vois des, des streams, les gars, ils sont à 40-50 000 viewers. C'est fou, c'est fou les stats. Euh, Jacques 21, Samel, comment on devient modo sur ta chaîne On m'envoie un petit message en DM sur Twitter. En me disant, bon bah, enfin en me disant un petit mot quoi. Entre faire 2 et faire 3 c'est quoi la différence pas FR3, FR3. Et après, c'est bronze. Après, c'est euh, silver. Après, c'est gold. Et après, c'est les championnats du monde, baby. Hmm. Je ne dis rien, je ne dis rien. Allez, on y va. <coughs> je vais juste prendre mon petit thé. Et puis, c'est parti. On va commencer par la lutte contre le chômage. Et la nouvelle réforme que prépare le gouvernement. Je vous cale ça tout de suite. Hop, voilà, je suis un peu enrhumé. Je vais prendre mon petit thé. Bougez pas. Vous, vous, vous restez là Vous restez là Ça fait du bien. C'est comme la France et les déchets alimentaires. Ça fait du bien. Mieux cassé qu qu'Antoine, c'est un but. Chris, aussi sont mieux cassé de quoi Qu'Antoine qui Il manque des infos, là. Hein depuis, depuis quand tu bois du thé, toi, Cyril Depuis, depuis hier, j'ai ramené une bouilloire là, au studio. J'ai ramené une bouilloire au studio. Parce qu'en fait, j'essaie de diminuer le café. Ah, Antoine Daniel, il est repassé faire 3 Et On ne juge pas ici. Hein. Voilà. Et en fait, c'est très bien faire trois d'ailleurs. Hein. I am Jeremy Lot, merci pour le prime. Ouais. Donc, ouais, j'essaie de bo boire main de café, donc je bois du espèce de, de thé là, pas veut. Hein. Il y a du de gingembre dedans. Alors, c'est parti. Est-ce que j'ai un go pour la revue de presse Est-ce que c'est parti Lutte contre le chômage ou lutte contre les chômeurs Quelqu'un me poser la question dans le chat. Bah, c'est toute la question. On y va C'est parti. Alors, euh, je vous le disais, le gouvernement serait sur le point d'annoncer une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, c'est. Une nouvelle réforme, il y en a eu quelques-unes ces dernières années, euh, qui euh, des réformes qui vont plutôt vers un euh, durcissement. Hein. C'est aphrodisiaque le gingembre. Merci bon, bon, pour cette info euh, essentielle. Travail et chômage, la ligne dure de Gabriel Attal. C'est drôle parce qu'on vient de parler du côté aphrodisiaque du gingembre. Ouais, évidemment là, ça n'a pas échappé à Clamakin, hein, qui ne pense qu'à ça. Dans le chat, travail et chômage, la ligne dure de Gabriel Attal. Bon, c'est un hasard. On l'a pas fait exprès, c'est un hasard. Le Monde, je vous le disais, je bravo GG quoi. Euh, je trouve résume très très bien et très clairement le sujet. C'est parti. Le Premier ministre, qui organisait donc hier un séminaire sur le thème de l'emploi, répète que le travail doit toujours mieux payer que l'inactivité. Depuis des mois, l'exécutif évoque une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui durcirait les règles en raccourcissant la durée d'indemnisation. Donc c'est pas pour les demandeurs d'emploi, c'est pas moins bien, c'est pas mieux, c'est moins bien. Hein. Voilà. Alexandra, j'ai vu que tu m'avais envoyé un email, c'est adorable. Au risque d'appauvrir les plus pauvres, ce discours musclé a pour double objectif de quoi De séduire les classes moyennes, on verra pourquoi, et de réduire les dépenses publiques. Ben bah oui, si tu donnes moins d'argent aux demandeurs d'emploi, forcément c'est moins d'argent qui sort des caisses de l'État. Pour nombre d'économistes, la théorie du chômage volontaire... Est très discutable, le travail étant déjà plus rentable que les prestations sociales. Vous allez voir que Le Monde, qui est un journal qui fait plutôt attention aux mots euh, qu'il emploie, est assez critique. En tout cas, les économistes à qui Le Monde donne la parole sont assez critiques sur euh, ce, ce durcissement permanent, hein, sous Macron, euh, de l'indemnisation chômage. Let's go. Article du Monde, page 6 dans la dernière édition. L'exécutif durcit le ton contre les chômeurs. Attal répète que le travail doit toujours mieux payer que l'inactivité afin de parler aux classes moyennes, nous dit le monde. Depuis son arrivée à Matignon, Gabriel Attal en a fait l'un de ses marqueurs. Il le répète comme un mantra, le travail doit toujours mieux payer que l'inactivité, on a compris. Dans son esprit, il s'agit de rendre notre modèle social plus efficace, moins coûteux, dans un contexte d'économie budgétaire. Le chef du gouvernement entend lancer un message aux classes moyennes, ces Français de l'entre-deux, dit-il, qui gagnent un peu trop pour toucher des aides, mais pas assez pour être à l'aise. C'est vrai qu'il y a quand même un problème de pouvoir d'achat dans notre pays. Cette préoccupation devrait constituer, euh, devait constituer l'un des thèmes du séminaire organisé hier à, à l'hôtel Matignon en présence de la plupart des ministres. Vous, vous comprenez que le Monde est paru avant que le séminaire soit terminé, donc il n'y a pas les infos. Par contre, il y a les infos dans les autres journaux, les, les journaux qui nous disent que pour l'instant, rien n'a été annoncé de définitif. Il y a juste une intention du gouvernement comme pour préparer les esprits à cette nouvelle réforme de l'assurance chômage. Il n'était pas exclu que M. Attal fasse des annonces en lien avec ses, euh, pour parler avec les partenaires sociaux. Il y a soir sur TF1. Bon, ça n'a pas été le cas. Hein. Depuis plusieurs mois, l'exécutif communique avec insistance, quand même, sur le projet d'une nouvelle réforme hein, de l'assurance chômage hein, qui se traduirait, une fois de plus, dit Le Monde, par un durcissement des règles en raccourcissant la durée d'indemnisation. Hein. On est indemnisé de moins en moins longtemps, notamment en dépend des seniors. Ça, c'est pas cool. Donc, quand on sait... Comment les, les seniors sont parfois un peu poussés dehors des entreprises là, sur leur fin de carrière, parce que ça commence, à, ça commence à coûter trop cher, on peut embaucher des jeunes euh, moins cher. Euh, quand on connaît le taux d'emploi des seniors en France, le durcissement des indemnisations chômage pour les seniors, c'est pas cool. Hein. Merci, Virose, pour le message. Euh, le leitmotiv du Premier ministre renvoie à des problématiques anciennes, comme le rappelle Yannick Horty, qui est professeur d'économie. Vous allez voir que le monde donne euh, la parole à beaucoup d'économistes. Et Yannick Lorty, cet économiste, il dit « Dans le passé, c'est vrai. Il a pu arriver dans un pays comme la France que des personnes sans emploi touchent des prestations dont le montant était temporairement euh, supérieur à ce qu'elles auraient perçu si elles avaient repris un poste avec l'indemnisation chômage et certaines prestations sociales euh, auxquelles tu as droit, si tu as, si, par exemple, si tu es en de, demandant d'emploi. Voilà. Ça a pu arriver dans le passé, dit cet économiste. Euh, de telles situations ne sont pas souhaitables. » Dit le monde, car c'est vrai qu'il est essentiel que les politiques de redistribution de notre système de protection sociale soient conçues pour qu'il y ait toujours un gain à reprendre l'activité. Sinon, tout le monde va arrêter de bosser. C'est ce explique Stéphane Carcio, qui est professeur à Sciences Po. Et il dit Sinon, cela signifierait que l'État-providence désincite au travail. Ok, ok, ok. C'est la raison pour laquelle plusieurs réformes ont été engagées. Euh, les 15 dernières années autour du RSA, le revenu solidarité active, et de la prime d'activité et de l'assurance chômage. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart des économistes disent quoi ben, Que c'est plus vrai aujourd'hui, ça. Ces cas, cas isolés ou parfois ne rien foutre, enfin, pardon, ne, ne pas travailler et décider de rester euh, au chômage pouvait rapporter potentiellement plus que de bosser, ben, ça n'existe plus. L'ortie, l'économiste, -il, il dit cette difficulté a été résolue. Dans une note de décembre 2019, France Stratégie assure que l'emploi paie significative, significativement plus euh, qu'une situation d'inactivité aujourd'hui en France, même pour de très faibles niveaux de rémunération. Dès lors, se demande le monde, comment expliquer le désir du Premier ministre de rendre le travail plus rentable que les prestations sociales, alors que c'est déjà le cas Aujourd'hui, merci Tarton, T -t -t Tarta Sensei, merci pour les messages. Cette idée relève d'une inspiration néolibérale du fonctionnement du marché de l'emploi dit Bruno Palier, qui est chercheur au CNRS, c'est la théorie du chômage volontaire, contre lequel il faut lutter en renforçant toujours plus les incitations à travailler. Une telle approche questionne, dit encore Le Monde, qui est très critique, euh, parce qu'à l'heure actuelle, moins de la moitié de ceux qui sont inscrits à France Travail sont indemnisés. Ah eh ben oui. Les gens aujourd'hui... Euh, demandeurs d'emploi qui sont inscrits à... La France travaille, hein, l'ancien Pôle emploi, ceux qui sont indemnisés, c'est moins de la moitié. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié qui touche Walou, qui touche rien. Comment tu vas inciter euh, cette majorité euh, à reprendre le travail euh, euh, en supposant que le fait d'être sans emploi, ils euh, vivent bien Ben. Ça, non. <laughs> Ça ne marche pas, ça marche, ça, marche, ça marche pas. Et ils ne gagnent pas bien leur vie, ils ne gagnent rien, les gars. Alors les économistes disent, ben, il est bizarre votre raisonnement quand même. Bon. Dès lors, dit cet économiste, est-on vraiment sûr qu'une assurance chômage moins généreuse incitera les privés d'emploi à en prendre un Non, sans doute pas. Le discours du Premier ministre décrypte le monde correspond en réalité à un refrain que l'on entend depuis la création du RMI en 88, dit euh, Guillaume Allègre qui est économiste à l'OFCE, la, la lutte contre la cistada. La théorie du monde, c'est que c'est plus un discours politique finalement, et budgétaire, bien sûr, pour faire des économies. Euh, derrière la rhétorique du Premier ministre, il y a surtout une logique politique, dit euh, Lorty. Il s'agit de parler à son électorat, qui a une représentation des ménages à bas revenus et des chômeurs assez éloignée de la réalité euh, vécue par ceux-ci. Un voilà. électorat plutôt euh, pas trop concerné par le chômage, dit le monde, voilà. et qui a une vue des ménages les, les, les plus pauvres qui est euh, faussée, quoi, leurs conditions de vie, etc. Dans sa volonté de séduire les classes moyennes, l'exécutif chercherait donc à creuser l'écart entre ces classes moyennes et euh, les plus défavorisées. Sauf que dans cette optique, et ça c'est un petit peu ennuyeux, il fait le choix d'appauvrir les plus pauvres plutôt que d'améliorer le sort des classes moyennes. Il considère un autre économiste qui s'appelle Michael Zemmour. Rien à voir avec Zemmour, un autre Zemmour. Voilà. Lui il dit alors, oui, il essaie de réduire l'écart entre les classes moyennes et euh, les classes les plus pauvres, mais, mais pas en. En, en augmentant le, les revenus des classes moyennes, mais plutôt en baissant euh, les, les, les revenus euh, des classes les plus pauvres. C'est ballot, c'est ballot. Un petit peu de thé. Un autre chercheur, euh, Francis euh, Kramars, a une opinion plus balancée, dit-il. Ce que j'aime aussi, c'est de, des arguments des deux côtés. De prime abord, on ne peut que souscrire à l'affirmation selon laquelle le travail doit être plus rémunérateur qu'une activité. Mais cette profession de foi euh, n'a pas beaucoup de sens et pêche par son caractère trop général. Bon, finalement, non, il est critique lui aussi. Euh, car les personnes sont dans des situations extrêmement hétérogènes par rapport au marché de l'emploi. Hein. Il, il dit ce, en fait, le, la situation des demandeurs d'emploi est trop hétérogène pour euh, appliquer des grandes recettes comme ça. Elles doivent être placées dans des conditions d'agir hein, ces personnes pour retrouver un emploi, ce qui implique notamment de lever tous les obstacles éventuels à la mobilité, hein, pouvoir se former, se déplacer au quotidien, déménager pour prendre un nouveau poste, hein, ce qui pas, tout le monde ne peut pas le faire. Si cette analyse fine et empirique n'est pas conduite, dit l'économiste, on risque de faire porter le blâme sur les individus. C'est de votre faute si euh, vous ne trouvez pas d'emploi. Imaginez, imaginez un jour un président qui dit "Trouve un emploi, c'est pas pas difficile, il y a, a qu'à traverser la rue." Et moi, je retrouve un emploi. Imaginez un jour il y a un président qui dit ça. Ce serait faire fi de toutes ces résistances structurelles, hein, de la difficulté à se former, difficulté à, à se déplacer au quotidien, euh, euh, et éventuellement même à, à déménager. I imaginez, imaginez, imaginez. Ce, ce serait faire fi de, de ces. Voilà. imaginez. Euh, <laughs> je suis con. Hein. Si cette analyse fine et empirique n'est pas conduite, prévient l'économiste, on risque de faire porter le blâme sur les individus. Voilà. À cette mise en garde, le gouvernement répond. Répond, répond quoi euh, Avoir apporté des réponses. Investissement massif dans la formation continue des adultes, promotion de l'apprentissage, accompagnement renforcé des bénéficiaires du, du RSA, développement des gardes d'enfants. Hein, le but est de combattre tous les freins à l'emploi. Donc le gouvernement aurait agi, dit-il, sur ces sujets. Conclusion du monde. Pour l'exécutif, il n'y a pas de très grand risque politique à tenir un langage musclé sur les précaires. Et sur notre modèle social qui, trop longtemps, se serait contenté de verser des aides. Contrairement à la réforme des retraites, ça ne mobilise pas. Voilà. Donc, ces dernières années, l'assurance la chômage a été réformée à plusieurs reprises. Les levées de boucliers ont été assez limitées, parce que finalement, nous dit le monde, c'est un discours qui est plutôt validé par une partie importante de la population. La partie, en gros, qui n'est justement pas euh, au chômage et qui dit Ouais, ça va bien. Ça va aller, là. Les sous pour ceux qui ne euh, bossent pas, là. Oui, ça semble un peu validé par une partie de, importante de la population. En tout cas, c'est ce que montre les, la faiblesse des mobilisations sur ce sujet ces dernières années. Voilà. Euh, J'enchaîne dans un instant avec le regard très critique de l'humanité là-dessus, mais d'abord, je vous lis, vous. Et l'IFI qui a été supprimé Ah non, ah non, ah non, non, ah non, exit 06 non. Et l'ISF qui a été supprimé Il a été remplacé par l'IFI, justement. L'ISF, impôt de solidarité sur la fortune, remplacé par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, mais tu voulais dire l'ISF. Et les super profits réalisés pendant le Covid, bah ça on va en parler dans un instant. Voilà. Julien, Merci, Jouji, pour le message sur la vidéo. Vous êtes trop gentil. Vous avez le lien en haut euh, du chat. Euh, Circé74, c'est super. Prenons à ceux qui sont dans la mouise pour enflouer les caisses de l'État. C'est pas nouveau, cette stigmatisation des plus pauvres, slash moins favorisés, quand il y a de l'argent à récupérer, de la fraude fiscale qui coûte beaucoup plus cher en impôts, non récupérés que les aides sociales. Ce gouvernement réussit, continue, après le système de santé. L'école a cassé notre modèle social, c'est une honte, nous dit Circé ce matin. Je dis Circé euh, un peu comme en mythologie, j'espère que je ne me trompe pas pour la prononciation. C'est toujours la même chose, dit euh, boule de gomme. On tape sur les classes les plus pauvres pour leur faire porter tous les mots. On va juste trouver encore plus de gens dans la rue, des subconstants qui se projettent sur les conséquences de cette réforme. C'est de la violence pure pour les gens, les économies faites seront dépensées à l'hôpital. Je cherche des gens qui défendent cette réforme, mais je n'en trouve pas dans le chat. Sachez que dans l'opinion, je vous lirai un édito où le journal dit si, 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 il faut, il faut réformer le chômage, on verra... Pourquoi Parce qu'il euh, ne faut pas rester dans notre petite bulle, là. il faut aussi euh, aller voir les gens qui ne sont pas d'accord euh, avec, euh, avec ce regard-là. Hmm. Circé Ok, bonne prononciation, cool. Allez, je vous lis l'humanité. Alors, l'humanité euh, qui voit rouge, sans mauvais jeu de mots, le rouge c'est la couleur de l'humain. Sur ce sujet, Attal déclare la guerre aux chômeurs, pas moins. Attal qui s'abat tel un oiseau de proie sur l'assurance chômage. avare de mea culpa, puisqu'il était hier soir sur TF1 en 20h, face au dérapage du déficit public, le Premier ministre a expliqué hier soir que l'indemnisation des privés d'emploi serait la première sacrifiée sur l'autel de la rigueur budgétaire. Zoomons un peu. L'article de l'humain est plutôt bien écrit, d'ailleurs. On va remercier Stéphane Guérard et Cyprien Boganda pour cet article. Pas de panique! A interrogé hier soir sur TF1 euh, sur le dérapage, le dérapage du déficit public en 2023, c'est vrai que les comptes de l'État sont dans le rouge, hein, euh, ça on peut pas le nier. Euh, Gabriel Attal a bien reconnu que la situation était sérieuse, mais il s'est voulu rassurant. La situation est bien en main et les chômeurs seront les premiers à en payer les pots cassés. Au 20h, le Premier ministre a appliqué la méthode éprouvée de son patron à d'abord se dédouaner. Qu'on se le dise, le pays est bien géré, a dit le Premier ministre l'an dernier l'état a dépensé ce qui était prévu même un peu en dessous avec 8 milliards d'euros de moins fait valoir le locataire de Matignon l'enfer c'est pas nous c'est les autres le covid euh, la guerre en ukraine les français qu'il a bien fallu protéger de toutes ces calamités le ralentissement économique en 2023 qui nous est tombé dessus et engendré moins de recettes que prévu on l'a senti venir quelques semaines après ma nomination on a pris une décision historique avec 10 milliards de dépenses en moins explique Attal le deuxième message une fois qu'ils ont dit euh, que la France était bien gérée quoi. Euh, les dogmes macroniens sont sacrés. Pas de hausse d'impôts. On a toujours dit qu'on ne montrait pas les impôts. Bon là pour le coup, sans être macroniste, il faut reconnaître que dans le programme de Macron, il y a les baisses d'impôts. Et quand vous regardez, les baisses d'impôts, euh, elles ont eu lieu. Elles ont eu lieu. Euh, on pense notamment à la suppression de la taille d'habitation, mais, mais pas seulement. Les chiffres sont têtus. Là, on peut pas dire, on peut pas, de, on peut pas dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient annoncé. Et en ce contexte. Non, pas la taxe foncière. la taxe d'ab. La taxe foncière, elle est toujours là. Euh, et on peut, ne on peut, on peut pas dire... Euh, on on pourrait être tenté, quand les caisses sont vides, d'augmenter les impôts. Et du côté du pouvoir, on dit non, 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 non. Euh, on a toujours dit qu'on ne montrait pas les impôts. Pas de taxation des super-profits. Alors où les bénéfices du CAC 40 viennent de battre un nouveau record. Quand la taxation des grandes fortunes... Alors, ça n'a pas totalement été écarté, ce qui est un peu bizarre. Gabriel Attal a la question est-ce que vous avez taxé des grandes fortunes Il a dit c'est pas totalement euh, écarté, mais il a dit j'attends de voir les propositions des parlementaires, des associations, d'élus. Bon, c'est pas pour demain, hein, c'est pas pour demain. Euh, pour redresser les comptes, alors qu'est-ce qu'on fait Du coup, si on n'augmente pas les impôts, eh bien, euh, on essaie de faire des économies. Mmh. Euh, L'assurance chômage sera la bête expiatoire de la rigueur budgétaire, estime donc l'humain. Ce n'est pas une surprise, le Premier ministre a confirmé qu'il y aurait donc une énième réforme de l'UNEDIC euh, cette année. Pour se justifier, Gabriel Attal est resté fidèle à la feuille de route dessinée par Emmanuel Macron, qui conditionne l'obtention du plein emploi. En France, un taux de chômage aux alentours de 5 euh, à une nouvelle baisse des droits pour les chômeurs. Sur la forme, le Premier ministre était confronté à un dilemme comment imposer aux partenaires sociaux, parce que normalement, c'est des décisions qui se prennent avec les partenaires sociaux, donc, syndicats et patronats, qui cogèrent l'assurance chômage, d'acter un nouveau tour de vie sans donner l'impression qu'il leur braque un pistolet sur la tempe. Hein? Tout me fait penser à Valorante dans l'actualité, c'est affreux. Sur TF1, il a donc tenté un périlleux numéro d'équilibre, se disant très attaché au dialogue social. Donc, on va négocier, va... c'est important les syndicats, c'est important de parler avec le... les représentants des salariés, des, des, des entreprises, tout ça, tout en indiquant qu'une lettre de cadrage allait très prochainement atterrir sur la table des partenaires sociaux. Donc, voilà. On aime discuter, mais on va quand même faire une petite lettre de cadrage pour qu'on discute dans un petit cadre quand même comme ça. Ouais. On imagine la grimace que vont faire les syndicats, alors même qu'ils n'ont toujours pas achevé l'actuelle négociation concernant l'emploi des seniors. On ne sait pas encore ce que contiendra la dite lettre, mais le premier ministre laisse entendre que les paramètres seront sur la table. Il faudra à la fois jouer sur la durée d'indemnisation moins longue, le nombre de mois nécessaires à l'ouverture de droit plus, éventuellement le montant de l'indemnisation tant qu'à faire. Voilà. Euh, Aujourd'hui, vous pouvez être indemnisé jusqu'à 18 ans, a dit Gabriel Attal. Une des pistes, c'est de réduire cette durée de plusieurs mois, mais pas en dessous de 12. Waouh, quand même. Euh, évidemment, ça fait bondir les syndicats. Si c'est bien vers cela, puisque rien n'est annoncé officiellement qu'on dirait, c'est un scandale, dit-on, du côté de la CGT. La durée d'indemnisation, rappel, le syndicat a déjà été réduite par ce gouvernement de 25% en février dernier. Passer de 18 mois à un an portera un nouveau coup terrible à tous ceux qui sont licenciés. 18 mois, 18 mois, pas 18 ans, bien sûr, mois. Gabriel Attal a déjà arrêté le calendrier. Les organisations syndicales le de patronat devront mener une nouvelle négociation au pas de charge avant l'été prochain. Voilà. Donc, euh, durcissement annoncé. Attention, ça n'est pas annoncé encore. Voilà. Ça n'est pas sûr, mais d'après la plupart des journaux, c'est dans l'esprit du gouvernement. Est-ce qu'on va trouver des gens pour défendre cette réforme Alors, oui, au gouvernement. On vient d'entendre les arguments de Gabriel Attal. Et je trouve intéressant d'opposer au regard très critique du monde et de l'humanité un regard qui disait Bah, non, en fait. Eh, les gars, arrêtez, arrêtez de râler. Je vous vois dans le chat, là, dit l'opinion. Arrêtez de râler. Il faut faire cette réforme. Allons voir les arguments de ceux qui veulent cette réforme. L'opinion. Une. Réforme nécessaire de la chômage, zoom. Ce combat est risqué, dit euh, l'opinion. Le président Macron le sait, euh, il lui sera reproché d'agir à contretemps, d'appauvrir les plus pauvres, de culpabiliser les chômeurs, de casser le contrat social, de se droitiser, tout ce qui a été évoqué là. Mais l'opinion dit non, c'est tout l'inverse. En réalité, il s'agit d'une transformation majeure par les trois objectifs qu'elle vise. Un, objectif social. Ah c'est pas une réforme européenne euh, comics, c'est en français. C'est français, mesdames et messieurs. Objectif social. Encore parmi les plus généreux et protecteurs d'Europe, notre système doit bouger pour inciter à la reprise d'emploi, sur fond de pénurie de main-d'œuvre persistante. Objectif budgétaire, bon, c'est clair. Au delà des coûts de rabot, la résorption du déficit passe par une réduction des dépenses sociales, les plus élevées, les plus élevées de l'OCDE, c'est pas faux. Parce que, euh, dit le président Macron, euh, et puis Gabriel Attal, la situation est sérieuse. Objectif politique, stopper la dérive des classes moyennes vers les extrêmes, impliquant que le travail paye plus que la cistane. Voilà, ce qui est un, qui est un, 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 un des discours du Rassemblement national. Voilà. Bon. Ça, c'est le regard absolument pas masqué d'un journal qui, 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 se, qui, qui est libéral, qui a une vision très libérale de l'économie, qui est plutôt en soutien aux entreprises qui disent mais non, la France, on a un taux de prélèvement... Euh euh, obligatoire entre l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales qui est trop élevé voilà. et donc ça pèse sur l'économie ça, ça pèse sur les entreprises et ça n'est pas bien donc on, oui on a un taux de redistribution parmi les meilleurs au monde ça on l'oublie hein, là aussi les chiffres sont têtus en France la France est l'un des pays qui a le taux de, de redistribution les plus élevés au monde c'est vrai c'est vrai hein où il y a un prélèvement sur l'économie pour une redistribution à ceux qui ont le moins euh, le plus élevé au monde voilà ça c'est c'est l'espèce de, de, de situation aujourd'hui en France, hein, de, euh, le résultat de, 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 de décennies de, 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 de choix, de, de choix de, de société, de choix politique, puisque ça a été validé par euh, les, les, les gens au pouvoir et par les, et par, et par les électeurs. Bon, bah, aujourd'hui, vous avez un pouvoir qui dit euh, c'est trop, c'est trop. Ouais. Il faut moins dépenser, il faut moins protéger, ouais. euh, et il faut, euh, ça c'est ce que dit l'opinion, il faut. Plus laisser faire les entreprises, quoi. par exemple. Ouais, mais je trouve intéressant de, de voir les opinions des, des, deux, des deux côtés. quoi. C'est surtout dû à notre système de retraite, dit Diesel. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Aussi, il y a ça aussi. Mmh. C'est vrai. Bon, moi, j'arrive bientôt. Si vous pouvez ne pas trop toucher au système de retraite pour que, hein, que ouais. je profite un petit peu là. Journée entière, jouer à Valo tranquillement. Si on pouvait pas trop toucher à la retraite, là, pendant jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Donc, moi, je, vive sans, je vais vivre un peu plus de 100 ans. Donc, euh, si on pouvait ne pas trop toucher au système de retraite pendant 50 ans, pendant un demi-siècle, perso, à titre personnel, hein. bon, voilà. Si vous pouvez, au niveau de vos votes, dans les prochaines années, pas trop toucher à ça, quoi. S'il vous plaît. Merci beaucoup, ba -ba -ba Badadium, pour le message sur la vidéo. Merci, trop gentil. pour acheter des skins, ouais. Bah, justement, pour pouvoir continuer à acheter des skins, ouais. Hmm. Bientôt, je suis de 1968. 70, me dit euh, Shrine. Je dois bosser jusqu'à 68 ans vu mon parcours. Bah, moi, je dois bosser jusqu'à 67 ans. Hein? Alors, t'arrêtes de râler maintenant. Hein? 67 ans moi je serai 66 ans là sur devant, devant, devant ma petite euh, devant mon petit pc là hein, à faire le couillon là 67 ans là je serai là euh, tout gâteux on comprendra plus rien de ce que je dis là Samuel on comprend rien de ce que tu dis bah oui ouais. j'arrive plus à articuler je serai en embouillé, que veux-tu je serai là à faire du gaming là je serai sur Valo là mais tu n'entends pas le mec qui arrive à droite là-bas bah non je n'entends rien mais le mec il est devant toi là tu le vois pas il ben bah, non je vois rien Voilà. 67 ans je serai là. <laughs> Bordel. Ce sera le dentier, eh bien. Et tiens, ouais. Hmm. Bah ouais. Nous aussi on sera... Ouais, remarque, vous aussi vous serez dans le même état pour certains. Quoi Pelle la cure Je suis de 71 et retraite dans 4 ans, merci de la fonction publique. Attends, moi je prends ma retraite dans 15 ans. Et toi tu prends ta retraite dans 4 ans Bandef ça non C'est bandef ça non Pendant 11 ans, tu vas te la couler douce, tu vas me regarder trimer là C'est bandef ça. C'est inadmettable, comme dit El Bene. C'est bandef ça. Les modos vous vous occupez Pas de débat, dit Sugar Frog, c'est ban. Ok. Allez, ça dégage. Non, bien sûr que non. C'est drôle. <laughs> ah bon. <laughs> c'est trop mignon. C'est drôle. Merci Bimodjet pour le 25e mois d'abonnement. Ça, c'est les gens qui pensent à ma retraite, ça. C'est gentil. À part être drogue, maintenant, je vais me, faire un petit, je vais me lancer un petit expresso, ok euh, Je fais une mini-pause musical. Je vous mets, euh, je vous mets une mini-pause musical. Qu'est-ce que je vais vous mettre comme musique Attendez, pas trop fort. Waouh, j'adore cette Musique douce. Je vous mets trois minutes de musique douce. Je me fais un petit expresso pour relancer la machine parce que j'ai pas beaucoup dormi. Voilà. Ma drogue à moi, c'est la caféine, puisqu'on parle de drogue là. Et ben je vous fais ça. Et je vous retrouve dans trois minutes. Un petit peu de musique pour les abonnés. Petite page de pub pour les autres, C'est pour la retraite. Et euh... Et on continue sur le trafic de drogue en France. C'est hyper intéressant, vous allez voir. Tout de suite. Des starlights stars our love to the like leaves we soar so high beneath the moonlight this love touch your hand in mine it gets me every time Season of Love. Et c'est reparti. La drogue. Attends, attends, on, passe, on passe de Season of Love à, à la drogue. Trafic de drogue. Il y a Red Metal qui chiale. Ah, Red, ah oui, Red Metal, vu ton solo, tu préfères peut-être un tout petit peu les trucs un tout petit peu plus énervés. Ce que je peux comprendre. Je regarde les messages en même temps sur les amis, sur les réseaux. Ouais, je vous demande des... Les modos là, en ce moment, j'ai plein de propositions pour venir vous renforcer, là. Euh, je, je salue... Oh là Mais toute la cave est là. Je salue Clamakin, Frenchoguillot, Julot18, Broubrou, euh, MMG7F, Moulbit, un des derniers arrivés. Ça va, Moulbit Il y a Étienne LB qui arrive bientôt, là, qui est sur la liste. Faut que je lui donne le droit, qui est super gentil. Euh, Original Pimou, Sarah Molly, Sugar Frog, un des derniers aussi, Mathieu de la chaîne VOD Samuel. Et puis là, j'ai plein de propas, Il y a plein de gens qui veulent... Mais il n'y a plus de place dans la cave Merci Armand pour le Prime. Merci Andervik pour le Prime. Merci Hugo, Eden Blaster. Merci pour le vingt e mois. Merci Rocard pour le Prime. Je pas vu. Il y, a, il y a encore de la place dans la cave ou pas Parce en fait, Comme je suis un bel humain, sachez qu'effectivement, je loge les modérateurs de cette chaîne gratuitement. Oui, mesdames et messieurs. Loger, nourrir, blanchi, Loger la cave. Une cave sèche. Une cave qui est absolument pas humide. Ils sont très bien. Ils ont de la lumière. Pas tout, pas tout le temps. Bon. Ils ont la fibre. Pour cliquer, pour modérer. Loger. Blanchi. C'est-à-dire qu'ils ont droit à une lessive par mois, mesdames et messieurs. Oui. Vous dites c'est pas possible. Si, 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 bah si, c'est. Quand on a du cœur. Et euh, nourri, puisque tous les deux jours, un sandwich. Mesdames et messieurs, tous les deux jours, un sandwich. Pour toute la cave. Donc la question c'est est ce que j'en prends plus ou pas après. Euh, hmm. <laughs> non, ce n'est pas un sandwich au trapiste. C'est un vrai bon sandwich. Ce n'est pas un sandwich au C'est un sandwich avec tous les trucs euh, qui me restent dans le frigo qui sont un peu en date limite, là. Et donc, euh, non, 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 non. Merci, KBM. Merci pour le soutien. Hmm. Ouais. Donc, bon en tout cas, voilà. Donc, il y, y a plein de propositions de gens qui à qui appâtés, attirés par ces conditions exceptionnelles de vie. Eh bien. Euh, Proposent leur service. Voilà, c'est fou. Hein. Il y a un vrai problème de logement en France, manifestement, quand même. Hein. Hmm. Il y a Étienne qui dit Je suis propre, pas besoin de lessive. Bon, ça, c'est un bien. T'es bien, bien un gamer, toi. T'es bien un gamer. Hein Alors, Samuel, ça, ça fume la bœuf qui fait mal Ben non, justement. Ben non. Et, et non et ouais. À mon âge, on a une vie saine. Hein. Fini les excès. Fini le fini faire le foufou. Maintenant, la seule drogue, c'est ça le café et l'amour, et l'amour. Euh, on parle de drogue, on en parle régulièrement ici, sur le, le, la lutte contre le trafic de drogue en France, avec le constat que font beaucoup de, de, de spécialistes, de connaisseurs du sujet, à savoir que ben, le tout répressif ne, ne marche pas, n'a jamais marché, euh, et pourtant on en remet une dose là, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution C'est la question qui, qui, est, qui, est, qui, qui est posée hein, par euh, tout ça. On fait un nouveau point, ça, ça, ça ne va pas du tout. Voilà, le nouveau point, c'est que ça ne va pas du tout. Voilà, c'est de pire en pire. La, la violence provoquée par le trafic de drogue en France explose. Ça va pas du tout. Il y a des villes qui jusque-là n'étaient absolument pas concernées. Dijon, Rennes, et maintenant il y a des morts. quoi, Ça va pas. Drogue, la guerre sans fin, c'est la lune de la croix, c'est un dossier super intéressant. Pour lutter contre les trafics de stupéfiants, le gouvernement vante les opérations place-net hein, décriées par de nombreux acteurs de terrain. Hmm. Salut ou pas ces derniers jours, l'exécutif veut faire la preuve de sa détermination à lutter contre le trafic de drogue. De nombreux magistrats ou policiers alertent sur ces trafics, gérés comme des PME, extrêmement violents. Et à partir du 1er avril, et ce n'est pas une blague, l'Allemagne a choisi une autre solution de légaliser hein, le cannabis. Ce n'est pas une surprise, c'était annoncé dans le programme de la coalition qui est au pouvoir, dans l'espoir de circonscrire le, le trafic. On va voir ce qui va se passer en, en Allemagne. C'est un test de grandeur de nature au niveau d'un pays, d'un pays voisin. Ce serait intéressant de voir ce qui se passe en Allemagne, si ça marche ou pas. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Ici. Lisons l'article de la croix qui est vachement bien fait. Je zoome et je bois une gorgée de ma drogue à moi. Quel café! Ouh! Ah, quel bonheur! Quel bonheur! Je ne comprends pas qu'une marque de café. Ne m'a pas encore fait un pont d'or. Un pont d'or, une pluie d'or, un torrent d'or pour promouvoir euh, le, le, leur café, quoi. Mais quel est, quel est le meilleur avocat en France sur cette planète, dans l'univers intergalactique, de la caféine en France Quel est le meilleur avocat que moi hein Comment il s'appelle l'autre, le, le vieux beau, là, Georges Clunet, là hein Et l'autre, là, le, le Jean Dujardin, là. Wattels, Wattels, je t'en donnais du Whatel, Else, moi. Il est là, il est là, l'avocat du café. Euh, pardon, mais elles sont où les marques Je n'ai jamais été contacté par une marque de café pour une OP. Vous savez quoi C'est scandaleux. C'est un scandale. Et je n'aurai de cesse de le dénoncer. Nom de Dieu. C'est parce que tu bois du café au lait. Non, je me suis remis à l'expresso. Tes prix sont trop chers, Sam, quatre fois plus que Georges Counet, m'a-t-on dit, dit Pierre. -Yves. Je ne commande pas cette information. C'est parti. Parlons de la drogue, de la vraie drogue. C'est une ville où le mois de mars a été violent. Ce, en seulement 11 jours, on y a recensé 5 règlements de compte avec un lourd bilan 3 blessés et 2 morts. 3 blessés et 2 morts. La première victime, un homme de 19 ans, a été poignardé, tandis que la seconde, un adolescent de 15 ans, a été tué par arme à feu. Un énième épisode de la guerre entre narcotrafiquants à Marseille point interrogation, Eh bien, non, c'est à Dijon. Eh ouais, à Dijon. Que se produisent ces affrontements Jamais nous n'avions connu d'effet d'une telle gravité aussi rapproché. Ces événements montrent que désormais, dans les affaires de drogue, le recours aux armes à feu se fait de plus en plus vite. Avant, les règlements de compte se faisaient avec les points ou avec des pattes de baseball. Voilà. Aujourd'hui, très vite, on tire sur le clan adverse, explique le procureur de Dijon. Voilà. Je vis à Dijon, ça tire de partout en ce moment, c'est une dinguerie, me dit euh, Elangelo, euh, dans le chat. Voilà, information similaire en Belgique sur l'augmentation de la violence des réseaux de drogue, me dit Jerry qui en garde depuis, depuis la Belgique. La moutarde qui monte, il voilà, y a plein de blagues sur la moutarde, Dijon, ça va. Bon. Merci à pour le soutien. Euh, la lutte contre le trafic de stupéfiants est invitée dans l'actu ces derniers jours. C'est d'abord Emmanuel Macron qui, le 19 mars, est venu à Marseille, annoncer la multiplication des opérations Place Net. Depuis son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, médiatise largement ces opérations consistant à quoi À déployer pendant plusieurs jours les forces de l'ordre dans les quartiers touchés par le trafic. Bon, bah ça c'est plutôt pas mal, on dirait quoi. Ce mardi, c'est Bruno Le Maire, donc le ministre de l'Économie, qui a même estimé que le narcotrafic et le terrorisme étaient comparables dans leur intensité, dans la menace qu'ils font peser sur la France. Comparaison narcotrafic et terrorisme. C'est quoi MMG ton truc là Ça va MMG C'est quoi ça C'est quoi ce pavé que tu nous colles là ça, ça va euh, MG de prendre la, la moitié du chat avec tes. Qu'est-ce que tu. Miss Click oh, ça trouve c'est un truc cochon. Je clique. Qu'est-ce Qu que t'as Qu que mis dans le chat Qu'est-ce que t'as mis dans le chat C'est une offre d'emploi. Ouais. Ouais, une offre d'emploi, ouais. 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 Ok. Ouais, bah il n'y aura, aura pas de sandwich aujourd'hui pour MMG. Ouais. Bizarre. ça <laughs> euh... Donc, comparaison dans la bouche de Bruno Le Maire entre narcotrafic et terrorisme. Euh, le ministre de l'économie parlait euh, devant la commission d'enquête du Sénat sur l'impact du narcotrafic en France, dont le rapport est attendu en mai. Depuis novembre, cette commission mène de nombreuses auditions auprès de magistrats, euh, de policiers, de gendarmes qui racontent de manière très réaliste la réalité du terrain, de manière très euh, directe. Aujourd'hui, explique un, un, un responsable policier, n'importe qui est prêt à commettre un assassinat pour 5000 euros hein, dans certains quartiers. Au 13 novembre 2023, on recensait depuis le début de l'année 315 homicides ou tentatives d'homicide, soit une hausse de 57% par rapport à la même période de 2022. La ville la plus touchée reste de loin Marseille, avec 47 morts recensés en 2023, 33 en 2022. Donc il y a une vraie augmentation de la violence et les statistiques, elle est là. Euh, la ville la plus touchée reste de loin Marseille. Donc ça, on a dit 47 morts, mais cette violence n'épargne plus des villes comme on l'a dit Dijon, comme Rennes aussi. Récemment, dans la nuit du 9 au 10 mars, il y a eu tout un quartier à Rennes qui a vécu une fusillade à l'arme automatique. C'est du jamais vu à Rennes. Moi, à mon époque, quand j'étais à Rennes, je suis breton, Les galettes, on, se on, se balançait des, on se balançait des galettes de saucisses. On, quand on était vraiment méchants, on se balançait des canettes, des canettes vides. Quoi. Euh, bah, maintenant, ça a, ça a changé. Une véritable scène de guerre, ont témoigné euh, des policiers, des balles ont été retrouvées dans certains appartements. Voilà. Ouais. La situation à Dijon ou à Rennes est emblématique de l'évolution du trafic qui de plus en plus s'appuie sur des ressources locales, comme avant, hein, mais aussi extérieures. Ce sont souvent des, des, des incidents, parfois très graves, qui, euh, provoqués par des gens qui ne sont pas du tout rennais ou dijonnais. Depuis deux ou trois ans, on voit une main d'œuvre venue de toute la France dans ces villes, explique le procureur de Rennes. Ces individus sont recrutés par les annonces sur les réseaux sociaux. Ils viennent pour 15 jours vendre sur un point de deal ils dorment au Formule 1 du coin et ils repartent une fois leur contrat terminé, dit le magistrat. Euh, ces individus sont attirés par quoi Par euh, des annonces en ligne qui promettent un travail sûr et très bien payé. Sûr. Hum. Ces propos publicitaires sont en décalage total avec la réalité. La plupart sont euh, des embauchés finissent par être traités comme des esclaves, euh, sans oublier un risque extrêmement élevé pour leur sécurité, bien sûr. C'est expliqué une, une magistrate euh, marseillaise ou sénateur. Nombre de trafiquants agissent, selon Philippe Astruc, comme des patrons de PME. En développant une politique de ressources humaines et de promotion commerciale de leur pays. Hein, maintenant, euh, il y a certains qui vendent de la drogue avec des flyers, avec des petites annonces. Euh, voilà. euh, certaines proposent des cartes de fidélité pour leurs meilleurs clients. Il y a des. Putain, il y a des cartes de fidélité pour la drogue. Un petit tampon, un deuxième petit tampon, et un petit troisième tampon. Et au bout de 10 tampons, bah, tu n'as pas ton grec gratuit, tu as, euh, as, 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 as ta barrette ou je ne sais pas quoi. Incroyable, incroyable, incroyable. Euh, certains ont également ubérisé leur trafic en livrant à domicile les consommateurs. Hu hu hu, hop, la petite appli, pof, bah tiens, je vais prendre ça. Chérie, tu. Incroyable. Euh, main d'œuvre de plus en plus jeune et de plus en plus féminine. Jusqu'à présent, les femmes étaient cantonnées à des rôles de nourrices, hein, des personnes qui euh, abritent de la drogue à leur domicile. Or, elles occupent désormais les femmes d'autres fonctions dans le trafic de drogue, dans le cadre d'une dérive similaire à ce qu'avait connu la Camorra euh, napolitaine au, début des, au milieu des années 2000. Dans un tel processus, les femmes prennent la relève, une fois les hommes derrière les barreaux, hein, en étant parfois plus dures encore que les hommes, a confier au Sénat le procureur de Marseille. C'est incroyable. Égalité des sexes, dit euh, Fallusor. F falusor, Il y a Falusor qui nous parle de l'égalité des sexes. Provocation. Provocation. Toi, toi, tu cherches les ennuis. Falusor, Ton pseudo, c'est Falusor. Tu parles d'égalité des sexes. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce... Les yeah. C'est pas possible, ça. Faire des efforts, les gars. La société change, hein va falloir un petit peu. Falusor Ouais, comme le dit Étienne, les boules. Bravo. Face à ce trafic, des opérations dont PlaceNet sont perçues par de nombreux acteurs de terrain comme des opérations de communication sans réel impact durable sur le trafic. C'est ce que certains disaient tout à l'heure. Voilà. Les points de deal souvent sont souvent reconstitués dès le départ des forces de l'ordre. Ça s'arrête quelques jours, puis ça reprend. Seul un travail de fond de la police judiciaire permet de s'attaquer à des individus qui ne sont pas uniquement des petites mains. Les chefs de réseau, souvent exilés à l'étranger, reste difficile à atteindre, mais la justice et la police marseillaise ont réalisé d'importants coups de filet ces derniers temps, notamment via l'interpellation au Maroc du chef d'un des deux grands euh, clans locaux. Le défi ensuite est d'empêcher ces délinquants de poursuivre leurs activités une fois incarcérés, parce que certains dirigent leur trafic de drogue depuis leur cellule. Euh, Compte de Philippe Astruc. Une autre priorité est le gel des avoirs des trafiquants. Les narcotrafiquants assument en fait complètement le risque d'aller en prison, ça fait partie de leur modèle économique, ouais, c'est une perte provisionnée, même la saisie de, de leurs produits de temps en temps. En revanche, ce qui leur fait mal, c'est la confiscation de leurs biens euh, qu'ils ont pu acquérir avec la drogue. Pour réussir, il faudra enfin lutter contre un autre problème souvent évoqué dans le Sénat, la corruption de certains employés du privé, comme les dockers dans les ports par exemple, mais aussi des fonctionnaires de la pénitentiaire, de la justice ou de la police. Donc vous avez dans les, dans les gens entendus par les sénateurs, les gens qui ont dit, bon, bah, le problème c'est que... Police, justice, euh, pénitentiaire, docker, ben, parfois ça prend un peu, quoi. Ça prend un peu, puis ça ferme les yeux. Ça. Les narcotrafiquants ont une telle force de frappe financière qu'ils sont en capacité d'acheter n'importe quoi. On serait bien naïf de penser que la France est à l'abri de cette corruption, dit un procureur. En janvier, on, de, on devait lancer, exemple, il donne un exemple. Philippe truc. En janvier, on devait lancer une opération policière d'envergure avec 15 cibles elle nous avait demandé 9 mois de travail elle a échoué au à cause de fuites qui ont permis de renseigner les trafiquants voilà, voilà. ça c'est la situation en France aujourd'hui et après on va aller en Allemagne je vous lis un petit peu j'ai parié 200 dollars avec un ami en 2018 il me dit Kili le cannabis sera-t-il égalisé en France en 2028 j'avais dit non je pense que je vais gagner je pense que tu vas gagner il dit 8 je pense que tu vas gagner, j'en suis quasiment sûr. Avec tout ce qui se passe actuellement, bon, récemment en France et ailleurs, est-ce que tu penses que ça se passera bien les JO, Samuel Nico Kogu, 59 Bon, oh, là, notre pays n'est pas dans un état parfait, mais bon. Est-ce qu'il s'est vraiment mieux porté dans le passé Est-ce que le. Est-ce que le monde est à feu et à sang Est-ce que, est que le monde n'est pas toujours à feu et à sang depuis la nuit des temps je, Franchement, je suis assez d'une de nature optimiste. Je, je, je veux croire que les JO, qui sont censés être une pause, il euh, y a un idéal pacifique derrière les Jeux. Normalement, c'est les Jeux tels que ça a été pensé. Normalement, c'est une trêve, hein, notamment dans les tensions entre les nations. Hein. On se retrouve tous pour faire du sport plutôt que se taper sur la gueule. C'est ça les Jeux en fait. J'aimerais bien. J'aimerais bien euh, que ça se passe comme ça. Après, ce n'est qu'un vœu pieux, voilà, j'espère. Je sais que ça provoque beaucoup d'inquiétudes chez certains. Hein? Il y a Marvey qui dit, moi j'y crois, au aux français, on va avoir une belle fête. Il y a Baguette Suspect qui dit, bonjour Samuel, bonjour à tous, j'ai une question hors sujet, quel café bois-tu Je suis torréfacteur, donc ça m'intéresse. Baguette Suspect, le, la question n'est pas savoir quel café je bois, c'est quel, quel café je vais boire demain. Hein, la question n'est pas de savoir quel café je bois aujourd'hui, c'est la question c'est quel café je bois demain. Et le café que je bois demain, c'est peut-être le tien, baguette suspecte. C'est-à-dire si tu fais péter la moulage, tu fais péter le budget, si tu fais péter l'OP, euh, moi demain, c'est ton café que je bois. Let's go. Et là, demain, tu m'imagines en stream, hmm, qu'est-ce qu'il est bon, ce café de baguette suspecte voilà. Tiens, oh ben je vous ai mis un petit lien dans le chat, cliquez, et vous pouvez acheter le bon café que je bois tous les matins. Ça peut être ton café baguette suspect. Voilà. Sans sucre, sans sucre. Black, black. Voilà. En purple, voilà. Voilà. Et moins 10%, euh, avec le code, euh, le café Chibrax, comme le dit Clément Polito, C'est Voilà. Eh oui, eh oui. Il apprend vite, ce jeune streamer, comme le dit Dad Gunner. <laughs> Alors, nous... On fait le constat depuis très longtemps déjà, c'est pas nouveau, hein, que le, la répression contre le trafic de drogue, contre le, le tout répressif, ne fonctionne pas dans notre pays. La consommation ne baisse pas, le trafic ne baisse pas, au contraire. Alors il y a des pays qui tentent autre chose. Et là, à partir du 1er avril, et je le répète, ce n'est pas une blague, c'était inscrit dans le programme de la coalition euh, qui est arrivée au pouvoir en Allemagne il y a quelques temps, donc euh, sociaux-démocrates, écologistes et libéraux, euh, de Légaliser, baby, alors pas légaliser le crack, hein. légaliser le cannabis dit récréatif. Ouais, à partir du 1er avril, tu vas pouvoir en Allemagne et te faire des bons gros bédos, des 3 feuilles, des 5 feuilles, des 7 feuilles, des 10, des 15 feuilles. C'est légal, c'est légal. Là, en Allemagne, c'est le 1er avril. Tout à l'heure, dans le chat, on avait quelqu'un qui nous disait qu'il avait trouvé un emploi en Allemagne qui commençait comme par hasard le 2 avril. <laughs> Ah le hasard il a l'air de bien connaître le SAM ah non mon histoire de feuilles, j'ai lu ça dans un dans un, dans un article l'article je crois l'Allemagne, qu'est-ce qui se passe en Allemagne l'Allemagne légalise l'usage du cannabis récréatif la consommation et la possession de cannabis récréatif sont désormais autorisées en Allemagne sous certaines conditions par exemple c'est pas pour les mineurs il faudra avoir 18 ans euh, la loi continue cependant à faire polémique l'article euh, de euh, notre correspondante à hein, La Croix qui s'appelle Delphine Nerbollier. en Allemagne est excellent. Let's go. Ça n'est pas un poisson d'avril. À partir du 1er avril, la consommation et la possession d'une certaine quantité de cannabis récréatif par les adultes seront autorisées en Allemagne. Adultes. Jusqu'au bout toutefois le suspense sera régné quant à l'entrée en application de cette nouvelle loi très polémique en Allemagne. Il y a eu beaucoup de débats. Fin mars, les dirigeants euh, chrétiens-démocrates de plusieurs régions allemandes ont tenté de faire capoter l'adoption du texte. En vain, cette réforme a finalement été adoptée par une majorité des 16 landers hein, allemands euh, lors d'un euh, vote au Bundesrat, la chambre haute du Parlement. Bundestag, Bundesrat. Après 40 années d'interdiction stricte, comme quoi à un moment on peut changer le système, l'Allemagne vient donc de changer le paradigme avec cette législation contrôlée, défendue par le ministre fédéral de la Santé défendu par le ministre de la Santé, hein, qui est un médecin de formation, et qui, il s'appelle Karl Lauterbach, symbolise à lui seul ce retournement de mentalité, parce que longtemps il a été opposé à la légalisation, et puis aujourd'hui il dit non, il faut le faire. Voilà. Euh, rappelant la hausse continue de la consommation, et la criminalité liée à ce trafic. C'est un gars qui était contre avant. À partir du 1er avril, donc la possession et la consommation par les adultes, hein, de cannabis seront donc désormais légales dans la limite de 25 grammes dans les lieux publics et de 50 grammes à la maison. Hein, si tu, si t'as, si 20 kilos de, de résine dans ton coffre, ben non, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Hum. Les plus de 18 ans seront autorisés à posséder jusqu'à 3 plants de cannabis euh, chez eux, voilà, pour leur consommation perso. À partir du 1er juillet, la culture, la distribution seront par ailleurs autorisées via des, alors ce sera pas des magasins comme dans certains pays. Euh, mais euh, par des cannabis social Club, euh, qui seront en fait des associations à but non lucratif dont le nombre de membres sera limité à 500. Donc ce ne sera pas des magasins, ce sera des assos à but non lucratif. En échange d'une cotisation mensuelle, les membres pourront obtenir jusqu'à 25 grammes par jour, mais dans la limite de 50 grammes par mois. Donc tu pourras te prendre deux fois 25 grammes dans le mois, Basta! Basta! En parallèle de cette libéralisation, toute une série de limitations sont prévues. Euh, la consommation, la possession de cannabis dans les lieux publics seront interdites, par exemple, euh, dans un périmètre de plus de 100 mètres, de 100 mètres pardon, autour des lieux fréquentés par des enfants. Bon. Et les jeunes, euh, voilà, tu ne pourras, euh, pourras pas avoir sur toi et encore moins fumer près d'une école, près d'un square, près d'une crèche. Euh, près de centres sportifs. La vente dans les magasins plus classiques que classique sur le modèle néerlandais aux hein, Pays-Bas euh, n'est pas prévue. Voilà. Les mineurs sont exclus du système. Hein. Tu as 15 ans, tu veux te faire un bédo Non. Voilà. La consommation, la possession, le restaurant, interdite. Bon. Euh, quant à la prévention, elle devrait être renforcée, notamment dans les écoles. Il s'agit de protéger la jeunesse. Moi, bon, je trouve ça plutôt cool. Hein. C'est bien. Comme, comme le reconnaît le ministre de la Santé allemand, la consommation de cannabis légalisée n'en reste pas moins dangereuse, surtout pour les jeunes. Voilà pour l'Allemagne. Vous en pensez quoi Alsace-Moselle, ça va donner Dit Yelligar. Ouais, C'est vrai qu'il n'est la... pas impossible qu'il y ait un petit peu de trafic routier supplémentaire à la frontière entre la France et l'Allemagne. Je dis ça, je dis rien. Je pense que les douaniers sont au courant. Hein. Faites pas les malins, faites pas les malins. C'est là qu'on voit que la loi a été créée par des gens qui ne connaissent pas le cannabis. Les quantités autorisées sont mesurées. Alors j'y connais rien. 50 grammes sur le mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup 50 grammes sur le mois Non, me dit Flo. Oui, me dit Rusty. C'est gigantesque, me dit euh, Xélafed. Non, oui, c'est rien. Oh ben bah, donc, ouais. vous n'avez pas tous la même consommation. Il y en a qui disent que c'est énorme, d'autres qui disent que c'est pas assez. Voilà. Alors, là, on en rigole, on en rigole. Bon, euh, ça reste un produit stupéfiant qui peut avoir des effets délétères sur euh, votre santé, votre humeur. J'ai un témoignage de, de Bonjour Archie dans le chat qui dit « J'ai 29 ans maintenant, j'en suis sorti. Hein, après 10 ans de consommation, mais ça m'a rendu profondément asocial et dépressif. Enfin, » Soyons un peu sérieux aussi sur le sujet. C'est beaucoup 50 grammes sur un mois, vous me dites Alors, certains sont pas convaincus par cette euh, légalisation. Euh, Croclaire, -croc j'ai du mal à comprendre en quoi légaliser va supprimer le marché noir. Les mafias vendront du crack au lieu du shit, ça changera rien. Ça, c'est un des arguments de, des gens qui sont contre la légalisation. C'est quoi On va voir. C'est chez nos voisins, c'est en Allemagne, qui est un pays qui est comparable à la France par certains aspects. Comment ça va se passer Bien, pas bien Est-ce que le trafic va baisser Est-ce qu'il y a moins de violence voilà. Est-ce que pour la santé, ce sera mieux avec un produit qui sera plus contrôlé, avec moins, qui sera coupé avec moins de cochonneries je sais pas. C'est ça qu'on va voir. Que la machine a fait le calcul Non, que la machine... Tu connais bien ce... Il y a des gens qui connaissent bien un petit peu le sujet. machine a fait le calcul, 50 grammes par mois, ça fait 100 joints environ, par mois, donc 3 joints par jour. Ok. Voilà. Ok. Alors j'aime bien le, le discours raisonné. Avec... Et responsable de certains comme Molotov qui dit perso, ça calme ma, ma dépendance donc c'est pas tout noir, pas tout rose, mais toute addiction est mauvaise, me dit Molotov. Euh, après, elle n'est pas plus mauvaise qu'une autre donc je vois pas de soucis sur le fond. Bon, moi je suis addict à d'autres trucs, je suis addict au boulot, je suis addict au café, je suis addict à, euh, à une époque, j'étais addict un peu au sport aussi, un petit peu moins maintenant. C'est quoi On fait un petit sondage. Okay. Nos amis allemands sont sur le point de légaliser, vous l'avez compris, le 1er avril, la consommation de cannabis récréatif en France. Est-ce qu'il faut légaliser en France Donc, je ne dis pas dépénaliser, hein, qui est une chose différente. Dépénaliser, c'est en gros. Euh, bah, en fait, le, le, le trafic de drogue est toujours interdit la consommation de drogue est toujours interdite en France, notamment le cannabis mais on dépénalise, c'est-à-dire on ne sanctionne plus les petits consommateurs. Là, je vous parle de légaliser comme en Allemagne, ok Donc, je ne dis pas dépénaliser. Faut-il légaliser Faut-il légaliser en, en Allemagne comme en France Non, l'inverse. Faut-il légaliser le cannabis hein J'espère que le sondage marchera mieux que tout à l'heure parce que certains euh, n'ont certains été exclus. J'ai l'impression que Twitch a un peu changé son truc. Peut-être une petite mise à jour oui, non. Je lance ce sondage dans un instant. Faut-il légaliser le cannabis en France Ça va, Zven On t'emmerde pas Allez, Bandef. Ouais, c'est moi qui le fais celui-là. Ah, t'es déjà banni non, il est déjà banni. Ça va, Zven on, on a rien à foutre de ton gros zizi dans le chat là. Qui est con, lui. Putain. Est... Eh, 11h34, les enfants doivent être à l'école. Eh, les 7-8 ans, là, qui mettent des zizi dans le chat. À cette heure-là, vous êtes à l'école. Filez à l'école, quoi. Après 7 ans, tu ne mets plus de zizi dans le chat. Hein. C'est fou, ça. Je lance le sondage. Faut-il légaliser le cannabis en France Ok, vous avez deux minutes. À l'école, hein, les 7-8 ans, là. Le bug du vote est toujours là. Certains n'ont pas accès au vote. Il y a déjà presque 500 personnes qui ont voté. Donc certains l'ont quand même. Merci la Latote pour le gentil message. La Latote qui sub et qui pose la question. Euh, comment font les Allemands, Hollandais, Belges, etc. si test positif contre le cannabis routier quand ils passent la frontière Bonne question. Bah, je pense qu'ils n'ont pas le droit de rouler en France sous l'influence sous, sous du cannabis. D'ailleurs, est-ce que tu en Allemagne, est-ce que tu as le droit de... De rouler sous l'influence du cannabis, je pense pas, pas plus. Hein. C'est comme l'alcool, ça reste un truc qui euh, va détériorer ta conduite, en fait. Hein. Comme le dit Vitoxy de façon plus claire encore, tu peux pas conduire et fumer. Hein. On est d'accord là-dessus. Hein. C'est pas parce que c'est légalisé dans le pays que tu peux rouler complètement défoncé. Hein. C'est autre chose, ça. Euh, 500, il y a presque 700 personnes qui ont voté, donc ça a l'air de marcher quand même. Ah, c'est sur téléphone. Bon, bah ça c'est Twitch. Hein. Twitch qui a dû changer son truc, euh, ceux qui me regardent sur téléphone ou sur tablette, là. Peut-être que vous avez un problème pour voter. Je pense que c'est Twitch qui a dû changer un truc. Voilà. Voilà, j'ai. Euh, Pourquoi 700 personnes qui ont 800 personnes qui ont voté. Ah oui, c'est l'épinglé qui masque aussi. Sur téléphone, si vous enlevez l'épinglé, euh, c'est le message, pardon, je pense que c'est le message épinglé, en fait, qui cache le sondage. Bon, vous êtes quand même vachement nombreux à avoir voté, puisque vous êtes euh, 500, 700, ouais, presque 900 à avoir voté. Faut-il légaliser le cannabis en France Oui. Non. Une grosse majorité, 62 voilà, non, 21 17% Je ne sais pas. Vous savez quoi On va voir ce qui se passe en Allemagne. En vrai, ça me semble super inté intéressant ce qui peut se passer. Merci Token Screamer. Yeah boy, à toi aussi. Merci pour le troisième mois. Euh, Twitch oblige à enregistrer l'hôtel. Super la liberté, me dit Edromir. Ah ouais, ça je suis pas au courant. Euh, ce n'est pas aussi pour euh, réduire les comportements toxiques euh, aussi, tu vois. vois Pourquoi pour que ce soit un peu tracé pour les gens qui disent un peu des, des bêtises. Hein? Hein? Il n'y a, a peut-être pas ça aussi. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Hein. C'est seulement pour vérifier les comptes et empêcher le, le botting, dit slomo. Hein? Mm. Merci beaucoup euh, Pro euh, pro, euh, pro les pro les, jaunes, prox, les Merci pour le prime. Alors maintenant, après, le gaspillage alimentaire. Et là, j'ai halluciné. Euh, certains dans le chat me demandent "Et toi, Sam, t'es pour ou contre la légalisation Ben, j'ai envie de dire attendons de voir ce qui se passe en Allemagne, parce que c'est une, euh, une expérience, un test euh, grandeur, grandeur nature au niveau d'un pays. Euh, mais je ne vais pas voter en tout, Je dirais oui, plutôt oui. Non, non. Non, non, bien sûr, ça me semble euh, le tout répressif a échoué. Tentons autre chose, voilà, de, alors, de façon responsable, encadrée, avec de la prévention, en ne faisant pas n'importe quoi. Voilà. Après, je trouve que l'expérience allemande, c'est ça que je voulais vous dire, peut faire bouger les choses. C'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, euh, même s'il y a de plus en plus de, de voix qui s'élèvent pour, pour la dépénalisation, clairement, euh, le, le, les, je, je pense que les politiques sont pas prêts, euh, dans la majorité. Il faut rappeler que le texte, il faut trouver une majorité... Euh, au Parlement, et euh, je pense que les Français ne sont pas prêts euh, voilà. euh, non plus. Donc, euh, peut-être que ce test allemand pourrait justement changer euh, les, 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 le regard des, des Français et des responsables politiques français sur ce sujet. Voilà. Moi, à titre personnel, je pense que c'est une solution, ouais. la dépénalisation. Voilà. Il faudra un sondage sur la consommation euh, des films Non. Je ne vais pas demander euh, aux gens euh, s'ils consomment ou pas. Ils font ce qu'ils veulent, en fait. Non. Non. Euh, C'est pas trop ce que j'essaie de faire avec les sondages. J'aime euh, bien savoir ce que vous pensez, mais vous, faites, vous vivez votre vie comme vous voulez. Non. On va parler de trafic alimentaire de pas de trafic, de gaspillage alimentaire, j'ai halluciné euh, des infos que j'ai lues dans ce dossier de Libération. Un milliard de repas gaspillés dans le monde chaque jour. Un milliard de repas non jetez plus. Il y a un, en fait c'est un, un rapport de l'ONU qui a été publié hier et Libération il consacre ça une et c'est passionnant. Les chiffres sont hallucinants. Gâchis alimentaire, poubelle époque. Petit jeu de mots de Libération. Selon un rapport de l'ONU publié hier, au moins un milliard de repas ont été gaspillés chaque jour en 2022. Chaque jour, oui. Une tragédie mondiale aux effets catastrophiques pour la sécurité alimentaire, pour l'environnement et pour l'économie. Euh, dossier de Coralie Chaube, excellent dossier. J'ai halluciné, n'hésitez pas à acheter l'IB pour lire le dossier dans son intégralité. Chaque jour en 2022, l'équivalent d'au moins d'un milliard de repas a été gaspillé dans le monde par les ménages. Chaque jour. Et la quantité réelle pourrait être en fait bien plus élevée, car il s'agit d'une évaluation minimale précise du programme des Nations Unies pour l'environnement qui a publié donc ce rapport euh, hier. Ce chiffre est d'autant plus choquant que la même année, 783 millions de personnes ont souffert de la faim et un tiers de l'humanité a été confronté à l'insécurité alimentaire. Le gaspillage alimentaire est une tragédie mondiale, s'indigne la directrice exécutive de ce programme de l'ONU. Des millions de personnes ont faim aujourd'hui pendant que de la nourriture est gâchée. Pour elle, il s'agit là d'un problème majeur de développement, bien sûr, euh, et euh, les impacts de ce gaspillage inutile sur le climat et sur la nature sont aussi substantiels. Selon cette étude, euh, 1,05 milliard de tonnes de denrées alimentaires ont été jetées dans le monde en 2022, soit près d'un cinquième de toute l'alimentation mise à disposition des consommateurs. Vous prenez l'alimentation mise à disposition des consommateurs dans le monde, et eh bien chaque année, il y a un cinquième qui va. À la poubelle. Quantité faramineuse qui est en hausse par rapport à la dernière enquête. Pire, cela ne représente qu'une partie du gaspillage alimentaire total, car ce volume ahurissant de victuailles mises mis au rebut, plutôt que dans nos estomacs, s'ajoute au 13% du total de la production alimentaire mondiale perdue en amont de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire avant que ça arrive dans les magasins. Voilà. Euh, après, entre les récoltes, on va dire, hein, et euh, l'arrivée dans les commerces. Donc c'est beaucoup plus des champs à l'assiette, le monde dilapide donc un tiers de la production alimentaire mondiale si tu prends ce qui est produit en matière brute alimentaire, ce qui est consommé il y a un tiers, 33% qui est gaspillé les alors depuis tout à l'heure dans le chat dis, les ménages, vous êtes sûr que les ménages vous êtes sûr que c'est de notre faute c'est pas plutôt la faute des entreprises des cantines, des restaurants, des collectivités des écoles, le petit réflexe bien français en disant c'est pas nous c'est pas nous, c'est les autres, Non, on est formidables Eh ben non, eh ben non, ça va pas on gaspille beaucoup. Les ménages, dit cette enquête de l'ONU au niveau mondial, hein, hein, euh, sont largement en cause, car ce sont les ménages qui jettent 60% de cette nourriture gaspillée. Donc les gens qui disaient, oh, les ménages les ménages. 60% de la nourriture gaspillée Les ménages. Voilà. Le reste, c'est les entreprises, c'est les restos, c'est les supermarchés. Les ménages, 60%. Surtout les supermarchés, non, j'adore Skyrαι. Non Lâchez-moi. Les ménages, c'est nous, c'est vous. Voilà. voilà. <laughs> les restaurants et les cantines, 28%. Les commerces, vous parlez des supermarchés, 12%. OK. Les supermarchés, les commerces, 12%. Les restaurants et les cantines, 28%. Les ménages, 60%. Voilà. Alors, alors, certains disent moi, en 25 ans, j'ai même pas acheté un, pas acheté un truc, mais un fond d'assiette. les comportements individuels, c'est une chose. Je vous parle de de parle de chiffres globaux mondiaux. Vous verrez qu'en France, on gaspille, on gaspille beaucoup moins que les autres. Ouais. On gaspille beaucoup moins que les autres. Donc les Français, on est plutôt vertueux là-dessus. Donc vous avez peut-être un sentiment qui est un sentiment français de ne pas trop gaspiller, eh bien les, les chiffres le confirment. Nous, Français, on est plutôt bon élève par rapport à ce truc. Je vais vous le montrer dans un instant. Eh ouais, parfois il y a des trucs qu'on fait mieux que les autres. Mais moi aussi, je t'aime, euh, Spamge. En moyenne dans le monde, chaque personne met chaque année 79 kg d'aliments à la poubelle. La France se situe en deçà de cette moyenne, avec 61 kg jetés à domicile par personne et par an. Moyenne mondiale, 79 kg. La France, mesdames et messieurs, beaucoup moins. 61 kilos. Donc là, euh, GG quoi. Pas mal, non Comme dit euh, Coréal, c'est français. Excusez-moi. L'Hexagone est relativement bon élève euh, sur l'aval de la chaîne alimentaire, donc ce qui est euh, au niveau de la production, même s'il faudrait euh, un petit peu sensibiliser les ménages. Mmh. Des progrès ont été obtenus grâce à la loi Garot de 2016 qui a interdit la destruction d'un alimentaires alimentaire euh, par les grandes surfaces. Voilà. Alors, les grandes surfaces n'ont plus le droit de balancer de la bouffe. Euh, comme ça, n'importe comment, et aussi la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020 qui a étendu cette interdiction aux grossistes. Euh, c'est une ONG qui dit que de ce côté-là, il y a eu des efforts. Au niveau mondial, le gaspillage alimentaire n'est pas qu'un problème de pays riches, c'est ça qui est fou. Les taux de gaspillage des ménages ne, ne divergent que de plus ou moins 7 kg par personne et par an de la moyenne dans euh, les pays à revenus plus ou moins élevés. Les différences pays riches, pays pauvres, il ben, n'y en a pas tellement. Ça ne varie pas beaucoup. C'est-à-dire, euh, ça, ça gaspille dans les pays riches, dans les pays pauvres, chez les ménages riches, chez les ménages pauvres. Voilà, c'est un truc euh, général. Euh, je continue le dossier qui est, un, qui est incroyable. Là, vous avez le tableau euh, européen. Là. Pop, 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 pop. Euh, disparité en Europe, voilà. En bas du classement, les Français en vert, là, 61 kilos, c'est cool. Qu'est-ce qui fait mieux que nous Pas beaucoup de monde. Pays-Bas, Finlande, Croatie, Islande, Slovénie. Slovénie, ils ne jettent rien, ils mangent tout. Hein. Ils mangent l'emballage, le, le, ils, ils mangent le polystyrène, le papier, le carton, tout. La Slovénie, je ne sais pas comment ils font. Ils jettent rien. Hein. Voilà. Euh, tout en haut, au-dessus de nous, vous avez euh, Estonie, Suède, Espagne, Belgique, Royaume-Uni qui a fait des efforts. Allemagne, Norvège, Danemark, Lettonie, là ça commence à devenir un peu chaud. Autriche, ça balance. Lituanie, 86 kilos. Grèce, 87 kilos. Luxembourg, 91 kilos. Malte, 92 kilos. Italie, 107 kilos. Énorme. Portugal, le double, ils jettent deux fois plus que nous les Portugais. 124 kilos par habitant. Oh, ils jettent quoi les Portugais Il y a des qui répondent des poils sûrement. Quittez pas, quittez pas. J'ai un petit appel, urgent. Bon, excusez-moi, c'était Gérald Darmanin. Ouais, je n'ai pas, pas compris pas par rapport à un truc qu'on a évoqué tout à l'heure. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on disait Ouais, hey, les, gars, les gars qui disent, euh, les Portugais ils jettent 124 kilos euh, de, de déchets alimentaires par an, et, et vous dites, sans doute, sans doute beaucoup de poils. Les gars, vous pouvez pas faire ça. Ok, c'est drôle. Mais vous ne pouvez pas faire ce genre de blague, c'est hyper discriminant. Vous ne pouvez pas faire ça. Voilà. Hein, Quelqu'un les adore, c'est peut-être parce qu'ils mangent vachement de. Des cadèmes s'excusent. De poissons et de produits frais plus que nous. Peut-être. Hein. Mais non, on ne pas faire ces blagues. Hein. Voilà. Bon, mais en tout cas, il y a un... le portugais, ça balance. Hein. Hein. Mmh. Tu n'es pas poêlé sur la blague? Copie. Les conséquences de cette euh, gapgie mondiale sont gigantesques, sont dévastatrices, dit le rapport de l'ONU. Euh, ce de gaspillage est en effet responsable de 8 à 10 euh, des émissions annuelles mondiales de gaz à effet de serre. 8 à 10 des émissions de CO2 dans le monde, c'est de la bouffe gaspillée. Euh, c'est 5 fois plus que le transport aérien le gaspillage alimentaire en termes d'émissions de CO2 c'est 5 fois plus que tout le transport aérien nom de Dieu mmh. autre effet négatif une perte significative de biodiversité hein, puisque produire toute cette nourriture euh, gâchée occupe l'équivalent encore un chiffre de fou de près de 30% des terres agricoles mondiales il y a 30% de surface de terres agricoles mondiales qui en fait produisent pour rien c'est gaspillé après. C'est juste insane. Bonne nouvelle, quand même, euh, souligne la directrice exécutive de ce programme de l'ONU. Nous savons que si les pays font de ce sujet une priorité, euh, ils peuvent réduire significativement la perte et les gâchis de nourriture, dont les effets néfastes sur le climat et l'économie. Par exemple, euh, la Grande-Bretagne, hein, récemment, s'est attaquée à, à ça, voilà, en, en mettant... Euh, euh, il y a un encadré ici, je ne vous lirai pas, mais qui, qui est très intéressant en prenant des mesures, en faisant beaucoup de prévention, en faisant des publicités auprès des consommateurs notamment, euh, et en incitant les, les particuliers, les entreprises, les collectivités à faire des efforts. Et en fait, on se rend compte que le discours est, est relativement sensible à ces questions, et la Grande-Bretagne, qui est moins bien classée que nous, eh bien, euh, a fait beaucoup de progrès en la matière. Voilà. Hmm. C'est fou quand même, les chiffres sont fous. Hein. Alexandra, bon appétit. Et merci pour ce soir. Ce soir, j'ai un tournage d'e-sport. Mais qui aurait dit ça il y a quelques années Samuel Etienne. Tournage d'e-sport. Mais j'ai pas le message de... C'est fou ça. En Angleterre, ils jettent parce que c'est dégueu en nourriture. Mais arrêtez avec ces... C'est très... très bon la nourriture anglaise. Alexia, faut arrêter les poncifs là. C'est délicieux. J'aime bien moi. Sur quelle chaîne on peut te voir ce soir C'est pas un live, c'est un, un tournage. Euh, la gelée. La gelée. C'est bon. L'agneau sauce menthe. C'est bon. Les œufs la bizarre, un peu panée. C'est bon. Euh, les petits pois verts fluo, là. C'est bon. Hum. Est-ce que tu es en danger, Samuel Si tu es en danger, cligne des yeux, on appellera les secours. Tout ça, c'est délicieux. Hein pour y traiter je dirais pas que c'est leur point fort la nourriture anglaise mmh. dit euh, Kinolux un bon fish and chips fish and chips bien frais avec du bon poisson de qualité ça tue hein. les beans trop bon. bon ça fait un peu péter Malteser mais bon. mmh. les beans un peu quand même hein. mais bon il euh, y a Benji Respect qui dit ça mais avec tout le respect du monde et l'ouverture d'esprit possible la bouffe anglaise est atroce bon mmh. j'aime bien les anglais moi faut marrer Alors, je vois le message de Jean Doute qui a été supprimé. C'est exprimé de façon un peu radicale, mais c'est pas complètement con ce qu'il dit Jean Doute. Voilà. Tu aimes le bacon Moi, je mange pas de bacon, moi. Je n'aime pas trop le truc gras. Et puis le, th et puis ce thé qu'il boit sans arrêt, ce thé. Qui boivent sans arrêt. Les Anglais. Ce Mais c'est les buveurs de thé. Les buveurs de thé, ça n'est pas possible. Qui boit du thé C'est dégueulasse. Hein Non. Il y a un truc qui sauve. Il y a un truc qui sauve les Anglais. C'est les scones. Les petits gâteaux, les petits trucs, les petits pains, les petits, petits gâteaux là. Tu les tiédis, tu les coupes en deux, tu mets un petit peu de beurre ou un petit peu de crème fraîche, voire un petit peu de confiture dessus. Mais non de Dieu, mais qu'est-ce qui est meilleur qu'un scone Qu'est-ce qui est meilleur qu'un scone Dites-moi, qu'est-ce qui, qu qui peut être meilleur qu'un scone Qu'est-ce qui peut être meilleur qu'un scone Du comté Ouais, c'est bon. Le couscous Ouais, c'est bon. Deux scones Bonne réponse. Les, ah, les œufs brouillés. Le thé, tiramisu, Messi est meilleur qu'un scone. Ouais, ça dépend. Ouais. Un cookie maison, diesel. Un tiramisu, deux scones. Bon, c'est bon, on a compris la blague. Euh, Pashtays de nata. <rire> <rire> euh, les biscuits bretons. Ouais, ouais, ouais. Une chocolat. Voilà, well, là non, on n'est pas sous débat. Oui, oui. Ouais. Oh, euh. Vous voyez ce qui est beau sous cette chaîne J'en doute, a écrit un message tout à l'heure sur l'humour lié aux nations en disant, ouais, se moquer des poils des portugais, tout ça, c'est un peu limite. Enfin, il l'a dit de façon un peu radicale, j'ai vu que son message avait été supprimé, mais en même temps, sur le fond, je trouvais que c'était pertinent. Et il y a Jean qui, qui vient de répondre et qui dit, merci Sam, effectivement, beaucoup euh, de mots euh, tauchis dans mon message. Ah, je t'ai perdu. Attends. On était bien ton message. Je le retrouve. Ah, voilà. Euh, je me doutais que ça passerait moyen, mais je voyais pas comment le dire autrement. C'est exactement cela dont il a question d'après moi. Bisous au Modo, au passage, désolé pour la fin. Bisous au modo, au passage, désolé pour la forme. Est-ce qu'elle est pas belle cette chaîne Est-ce qu'elle est pas belle cette chaîne hein? euh, Le gars, il décrit un truc, c'est pas con, mais c'est un peu radical. Le modo, il dit Ah oh là là, j'hésite, mais allez, supprime le message. Et, et le gars, après, il dit eh, pff, Bisous au modo, c'est vrai que c'était un peu. Euh... Elle est belle cette chaîne. J'en doute, merci. Et les moudous, merci. Bon, allez, on parle un peu de football. Voilà. Euh J'ai fait un petit bug. De football. Bon, je suis pas le plus grand spécialiste de football du monde, mais je trouve ce petit débat, cette petite polémique intéressante lancée par l'équipe. Je joueur qu'elle aime bien le football, voilà, et qui dit non pas it mais qui dit libérez-les, libérez les joueurs français des grands clubs pour qu'ils puissent participer aux Jeux Olympiques. Il y a un petit message. Il y a un petit message. Libérez-les. Les dirigeants de plusieurs clubs de Ligue 1 sont réticents. À ah, euh, laisser leurs joueurs disputer le tournoi des Jeux Olympiques, 24 juillet, 9 août, ce qui pourrait compliquer la tâche de Thierry Henry, hein, Titi, le sélectionneur de l'équipe de France Olympique. Qu'est-ce qui se passe Il y a un gros dossier, je ne vous le lis pas tout. Pourquoi j'ai une gros, euh, grosse page noire Hop, je l'enlève. Hop. Mais. Oh, C'est bizarre. Voilà. Il y a un gros dossier, je ne vous le lis pas, mais il y a un édito de Régis euh, Testelin qui est très bien fait. Sachez d'ailleurs que dans les rencontres du vendredi matin, où je reçois des journalistes de la presse écrite pour parler un petit peu de l'actu, de comment ils fabriquent le journal. Demain, c'est le journal l'Ardennais, dans la région des Ardennes. Voilà. Bah, sachez que dans quelques semaines, il y aura l'équipe qui viendra le vendredi matin. C'est cool. Euh, pour les passionnés de sport ou ceux qui lisent un petit peu l'équipe, qui s'intéressent au traitement de l'actualité sportive, vous aurez un journaliste de l'équipe ou deux qui viendront ici. Ça va être super. Donc là, on a un édito vachement bien écrit de Régis Testelin qui résume très, très bien le, le débat. Est-ce que c'est lui qui teste le lin, me demande... Euh, Japanaisie dans le chat, euh, je ne sais pas. Je n'ai pas, pas réponse à tout. Je ne, je ne sais pas tout. je ne sais pas si Régis teste l'un, euh, teste effectivement le lin dans sa vie. Voilà. Ou le chanvre. Le lin, le chanvre. Le chanvre. Voilà, ça nous ramène à un autre débat que nous n'aurons pas ici, on vient de l'avoir. Pas mal, la hein, transition. J'ai assuré ou pas là Désunion nationale, c'est le titre de cet édito. En dressant hier dans ses colonnes une liste élargie d'une quarantaine de joueurs français d'élite, susceptibles, susceptibles d'être appelés euh, le 20 mai, jour de mon anniversaire, très belle date, par Thierry Henry pour faire partie des 18 qui disputeront les Jeux, on s'inquiétait surtout de la position des clubs étrangers sur ce dossier. Hein. Est-ce que les grands clubs étrangers allaient libérer nos stars du football Seront-ils aussi inflexibles que le Real Madrid, qui a déjà dit non Le Real, ils ont dit non. Non. Vous voulez euh, Eduardo euh, Camavinga Non. Vous voulez euh, Ferland Mendy Non. Vous voulez Aurélien Chouameni Non. Vous voulez Kylian Mbappé s'il vient chez nous Non. Ok. Euh, et du coup, euh, Griezmann, Atlético de Madrid, ben, ce sera non. Euh, William Saliba, Arsenal, ce sera non. Malogusto, Chelsea, ce sera non. Euh, Castello Lubeca, Leipzig, ce sera non. Michael Ollis, Crystal Palace, ce sera non. Si ces clubs s'alignent sur la position du Real. Donc le Real, il a dit niette. Si euh, tous les grands clubs qu'on vient d'évoquer là. Euh, disent non pour cause de euh, phase préparatoire de Ligue des Champions, par exemple, comme l'évoque Rashquit. -Rash ben, je ne sais pas ce que c'est du tout. Rashquit, je ben, ne voit pas du tout à quoi ça renvoie. Vaguement un truc de jeu vidéo, un gars qui s'énerve un hein, qui balance son casque, qui dit sur les marques de ce jeu, hein, j'y arrive pas, je suis stock en bronze, euh, casser les couilles. Je ne sais pas ce que c'est le Rashquit. Donc si effectivement tous les, cl si tous les clubs étrangers s'alignent sur la position du Real, euh, nos grandes stars étrangers euh, euh, ne viendront pas. Quoi. Pour l'instant, ils n'ont rien dit. Euh... Ou alors ces clubs seront-ils un peu plus ouverts à notre cause nationale, la cause française, en cette année 2024, de Jeux, Très naïvement et trois ans après le fiasco des Jeux de Tokyo, moi j'avais oublié ça, les derniers Jeux olympiques à Tokyo, l'équipe de France olympique de football avait encaissé 11 buts en trois matchs. C'est beaucoup, c'est beaucoup quand même. Et pris la porte dès le premier tour, c'est ballot, c'est ballot, avec un effectif de seconde zone, on ne pouvait pas imaginer que le danger pourrait à nouveau venir de l'intérieur. Ce que dit l'équipe, c'est que, au vu de la grosse claque dans notre gueule qu'on s'est pris au jeu de Tokyo, on pensait que ouais, les clubs étrangers étaient peut-être un petit peu réticents à nous filer des. Il y a un modérateur qui vient de mettre une vidéo de euh, Rashquit de Samuel Etienne sur Valo. C'est vraiment pas très élégant. Mais ça me fait euh... Et donc, on s'était dit que les clubs français, eux, allaient peut-être faire un petit effort, quoi. un peu de patriotisme, un peu de, de sentiment cocardier. Ouais. Eh ben, c'est pas fait. Euh, les clubs français s'apprêteraient à dire non aussi. Euh, en 2021, Benoît Biadichil, Kamavinga, Maxence Cacré, Amin Jonathan euh, Iconé avaient été interdits de jeu par leur club français avec le soutien légal et abjecte de la FIFA, abjecte, dit l'équipe. La FIFA qui vend sa soupe, le mec qui dit les termes, sur l'universalité nécessaire du football, hein, tout en empêchant indirectement les meilleurs joueurs du monde de disputer les Jeux. T'as l'équipe qui tape pas mal sur euh, la FIFA. Euh, Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, a prévenu Thierry Henry, il n'aura pas tous les joueurs qu'il veut. À Monaco, à Brest, à Lille, on ne s'imagine pas disputer les tours préliminaires de Ligue des Champions sans Magnès euh, Akliouche ou Eliès Benseguir, euh, sans Pierre Lismelou, sans Lucas Chevalier, sans Lenny Euro, sous prétexte que ce sont les Jeux à Paris qu'il faut participer un petit peu à l'effort national. Hein? Chacun ses enjeux, chacun ses priorités, chacun son destin, chacun sa route, chacun son budget. C'est donc bien ça, si on a tout compris. Comprendre cette position, c'est pas forcément la partager et la défendre, bien au contraire euh, le joueur de l'équipe, il est pas débile. Il sait bien que ces joueurs ont coûté parfois très très cher au club euh, français ou étrangers concernés. Et on comprend bien que lâcher son joueur euh, avant des échéances importantes de reprise de championnat ou de tour préparatoire de Ligue des Champions, euh, des joueurs qui potentiellement peuvent se blesser. Euh, tiens, regarde, il y a @faouzi qui dit si c'est pour finir le laisser toute la saison que Pedri au Barça qui a joué les jeux avec l'Espagne, la Ligue des Champions avec le Barça. Franchement, je comprends le Real Madrid. Voilà. Donc, l'équipe ne sont pas débiles, ils disent Ouais, on comprend, on comprend. Mais Mais La perspective d'imaginer une équipe de France olympique aussi peu compétitive en Paris 2024 qu'à Tokyo 2021 pour les mêmes motifs avec le risque de la même punition a quelque chose d'inimaginable et de révoltant. Alors, de grâce, implore l'équipe. Libérez-les. Voilà. D'un côté, la raison économique, et de l'autre, les gars, c'est les jeux, quoi. C'est les jeux à Paris. Voilà. Voilà. c'est quoi vous Chacun sa route, chacun son chemin. Passe ton... Le gros problème, c'est aussi que, que les jeux n'ont aucun prestige dans le football. Franchement, qui a dit d'un grand joueur il a réussi à gagner les jeux tout le monde s'en fout, on préfère les voir win la World Cup ou la, ou la, ou la CL de Diolux. Euh, Bappé. Bappé disait qu'il voulait jouer les jeux. Voilà. Sauf qu'a priori, il ne va pas pouvoir s'y part au C'est du business, tout ça, me dit Medjay. Encore une fois, l'argent gâche le plaisir, dit Jérôme 78. Bat les couilles du foot, go mettre son intellect dans autre chose de plus important, dit drop de ball. Tu, 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 tu dis sur le foot, tu critiques le foot, tu t'appelles Drop the Ball. Frère, tu, tu critiques le foot, ton pseudo c'est Drop the Ball. Non, blague à part. Moi je ne moi, je suis pas un passionné de foot. To laisse tomber, quoi, je veux dire. Et, 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 je je, je taille pas sur les mecs qui aiment le foot, on s'en fout en vrai. On s'en tape. C est, c est, c est... Tu vois, si il y a des gens, leur plaisir c'est de jouer au foot. Si il y a des gens, leur plaisir c'est de regarder du foot, qui sommes-nous pour juger que c'est pas, pas intéressant euh, Un peu de ouverture d'esprit, quoi. Moi, genre, le foot, ça m'intéresse pas, moi. mais Pourtant, j'essaie je, de faire un effort, quoi. Je, je sais qu'il y a plein de gens que ça intéresse, quoi. Donc, c'est important pour certains. Hein? Trop de ball <laughs> Horoscope. Tout Ça pour vous endormir, mais bien, bien, bien. Taureau, c'est gagné. LMG, Taureau. Bon, je vais donner deux signes parce que de MG, c'est un modérateur. Euh, Sugar Frog, modérateur aussi, Sagittaire. Putain, les motos, c'est les plus rapides. Qu'est-ce qui se passe Bon, bah, c'est la règle. Je vous rappelle la règle. Ici, on a un jeu qui est un jeu débile. C'est la règle de l'horoscope. C'est le jeu de l'horoscope. Quand arrive la page de l'horoscope Merci beaucoup, euh, Lanternex, pour euh, le sub et le petit message. Quand arrive la page de l'horoscope celui ou celle qui est la plus rapide ou le plus rapide à me donner son signe astrologique dans le chat sans faute d'orthographe. Je suis un peu vieux, je suis un peu maniaque. Je lui lis son signe. Voilà. Premier à me donner son signe, c'est MMG qui est Taureau et qui est Modo. Deuxième, Sugarfrog, c'est Sagittaire. Voilà. Ou oh, encore un Modo. Du coup, je vais aussi lire Scorpion parce que juste après, en troisième position, c'était Franvois avec Scorpion qui n'est pas Modo. C'est parti pour Taureau, Sagittaire et Scorpion. Taureau, ça m'arrange, c'est mon signe. Taureau, c'est là. Cœur, le plus important. Vous partagerez de bons moments en famille ou entre amis. Ok, je suis heureux. Ça me suffit, moi. Réussite. Vous investissez beaucoup d'énergie dans vos projets d'avenir. Alors là, ça, c'est vrai. Putain, mais c'est scientifique, ce truc. J'ai toujours dit que l'horoscope, c'était... Vous ne pouvez pas imaginer le taf que je fais à côté sur les projets sur Twitch. Forme, bonne défense immunitaire, c'est vrai que ça va. Je ne suis pas trop malade. Ok. Deuxième. Sagittaire. Sagittaire... Sagittaire, à droite là, en bas à droite. Euh, J'ai mes doigts qui cachent. Mes gros doigts là. Bon, sagittaire. Cœur, vous allez constater avec joie que le bilan de votre vie est positif. Trop bien. Réussite. Une activité fatigante, mais valorisante se présentera. Bon, c'est Forme, vous trouverez des astuces pour vous maintenir en forme. Bon. Bon, Sagittaire, ça ne nous dit pas grand chose, tout ça, mais bon, c est, c est, ça pourrait être pire. Scorpion. Scorpion, scorpion. Cœur, tout ira bien pour vous si vous êtes en couple. Donc là, tous les célibataires scorpions tremblent. Vous aimez, vous occuper de votre foyer. Bon, si vous êtes en ce... bon, en gros les Scorpions, Scorpions célibataires, euh, c'est un peu la loose quoi. Moi, je le lis entre les lignes. Hein. Euh, réussite, Scorpion. Vous aurez le vent en poupe et la réussite sera à portée de main. Surtout si vous êtes célibataire ou du coup vous avez du temps. Hein. Voilà. Euh, forme, ne faites pas d'excès. Voilà. Bon, il y a Tenry qui dit c'est assez vague pour que chacun puisse trouver un truc correspondant. Euh, il y a Adrianor qui dit que vraiment un truc parfait à faire générer par ChatGPT un horoscope, mais pas du tout. C'est la science les gars, c'est scientifique ces trucs là. C'est scientifique, c'est vérifié ça. Ça c'est euh, c'est fait, euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Uh, Rito Games, j'ai pas encore vu la vidéo sur Valorant, mais je vais la regarder hein, qui raconte le, un peu le lore de Valorant. C'est prévu, bien sûr. Euh, en attendant, n'hésitez pas ah ah ah, à aller voir ma vidéo disponible depuis a... hier soir. Je vais vous montrer les premières secondes euh, sur notre week-end au Masters de Madrid. Voilà ma découverte de l'e-sport. C'est en ligne depuis hier soir seulement. Déjà près de 50 000 vues, baby. C'est marqué là 50 000 vues, 48 394 vues, 243 commentaires. Elle est, elle est, elle est en ligne depuis seulement. Hier soir, voilà, je vous montre les premières secondes. Voilà. Euh, on, a, on, a, on, a bossé, on a, bossé, on a bossé, on a bossé avec Joe euh, pour, à, à la captation, à la réalisation, avec Iris au, au montage. Voilà, on, ça nous a demandé un petit peu de travail, et ça a donné ça. Je vous en mets quelques secondes. Ah, tu filmes pas, hein Non, 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 non j'ai pas commencé. C'est pas du direct <laughs> On est en live Et où le chat D'abord, un mot d'introduction. Pourquoi je me suis intéressé à l'e-sport Pourquoi Alors, c'est une jolie histoire qui commence il y a. Il y a trois ans et demi, vous savez la crise sanitaire, le confinement, on a tous fait des choses nouvelles. Ouais, voilà, et puis je veux pas tout vous mettre à des petits plateaux comme ça euh, pour expliquer ce que je fais. Après, il est plateau en situation. Je parle. À ce périple. Avion, hein, voilà. À Madrid, Là, on est à l'aéroport. Pour. À Orly, j'explique un petit et peu bon. ce que je vais faire. Euh, va. Je fais on des blagues. Ça voilà. longtemps, lui-même. Il... Voilà. Là, on est à Madrid, euh, à la compétition. Je suis avec, euh, je rencontre plein de gens, Lupiote notamment, qui est une passionnée de sport. Voilà. Y a... Je mets un petit mot, j'ai écrit The Mister CH sur un mur hein, pour rigoler. Voici l'oupiote dont je vous parlais à l'instant. Et puis à un moment, on va, rentr on va rentrer dans l'Arena. Euh, là, c'est Kael, qui est quelqu'un qui, qui bosse chez Riot, l'éditeur du jeu. Donc, ITV, ITV, ITV. Il y a Fugu, il y a Elidia, il y a des fans, il y a des supporters, il y a du cast, il y a de la fête. Euh, voilà. Il y a du stream, il y a du game. Euh, voilà. Et, et voilà. Ça, c'est moi à la fin. J'ai ouais, les petits yeux, je suis tout fatigué, je suis crevé. C'est si à la fin, ça dure 30 minutes. Vous allez vous régalé et enfin, franchement avec la petite équipe que j'ai évoquée avec Joe et avec Iris on ne pensait pas que un euh, cette vidéo serait autant vue en si peu de temps deux que les commentaires soient, soient aussi cool parce que vous avez vu là il y a plus de 200 messages et ces 200, 200 messages qui sont à 99,99% voire 100% j'ai pas, pas trouvé un négatif encore euh, super positif Merci pour ça. Euh, Nanami734, pardon, j'avais pas vu. Merci pour le soutien. The Rominou, merci pour le cinquième mois d'abonnement. Lanternex, encore merci. Et je vous abandonne. Pourquoi un petit message. Ah, je l'ai. C'est bon. Pourquoi Parce que je ne vous abandonne jamais pour de mauvaises raisons. Je vous aime. Il voilà. euh, y a Nightcom qui dit bonjour monsieur. Non. Tu ne me dis tu pas bonjour monsieur. Tu me dis bonjour euh, bonjour Sam. Euh, bonjour Samumu. Tu me dis euh, bonjour BG. Voilà. Euh, bonjour Apollon. Voilà. Euh, mais pas bonjour, bonjour Monsieur. Hein? Euh, D'ailleurs, on va sans doute m'appeler bonjour monsieur cet après-midi. Pourquoi je vous abandonne Pour une bonne raison. Bonjour mon ref. Bonjour mon ref. Non, pas bonjour vieille branche, non. Non. Sinon c'est vraiment ma dans ta gueule. Donc, cet après-midi, je vais voir des jeunes parce que moi, je trouve que imp... la transmission, c'est super important. Et là, depuis quelques temps, bah, assez régulièrement, je vais dans des lycées de région parisienne l'après-midi et on parle de littérature. Voilà. Je lis un passage d'un roman pendant une demi-heure, voilà, j'y mets tout mon cœur euh, et tout le monde est bouché cet après-midi. Et, et après, on parle de littérature. Ce sont les élèves de première qui passent le bac français, là, bientôt. Et, euh, et et après on parle de l'expression orale puisqu'ils ont à lire un extrait d'une œuvre littéraire au bac et donc bah, je leur donne des petits tips sur euh, sur euh, sur, euh, sur le, le rythme de la lecture sur le sur comment capter l'attention de quelqu'un qui les écoute sur les accents toniques sur comment faire vivre un texte voilà à la lumière de ma petite expérience de présentateur d'animateur quoi et de streamer voilà donc pendant une demi-heure je lis un texte pendant une demi-heure ben, on, parle de, on parle de littérature et de lecture, et je, je les fais lire à leur tour. Voilà, en général, j'ai deux classes, 80, 80 élèves en général. Il euh, y a uh, Etix qui nous dit, bonjour monsieur Chibre, j'aimais votre lecture. Donc certains, euh, certains sont là et euh, m'ont rencontré à ces occasions. Et donc, je refais une nouvelle cet après-midi. Je vais super loin, je vais à contre robert j'ai une heure de bagnole, donc fois, euh, plus du, minimum une heure, donc deux heures à retour euh, C'est pas ce que je fais le mieux, moi, de rouler en voiture. Euh... <laughs> sur le périph' quand il y a les bouchons je m'endors <laughs> derrière ça hey, monsieur Chibre faut démarrer donc deux heures là. Bon, je fais ça tout à l'heure et puis euh, et après euh, c'est super loin hein. il euh, y a marvé qui dit c'est chez moi c'est mon ancien lycée bon je vais là-bas je crois qu'il y a c'est un lycée notamment euh, avec notamment une spécialité agricole je crois bon bref je vais là-bas et après je reviens dardard enfin pas trop vite dans la, dans la limitation de vitesse quand même euh, à Paris parce que j'ai un tournage avec une grande équipe d'e-sport française voilà euh, je ne peux pas en dire plus, ce n'est pas un stream c'est un petit tournage voilà. euh, c'est super loin, 30 km de Paris, alors ce n'est pas très loin hein. sauf qu'avec euh, les bouchons et tout ben, j'ai regardé, c'est une heure voilà. donc en fait, c'est euh, deux heures de route quoi. donc ce soir, le petit tournage euh, avec cette, cette équipe d'e-sport e que je nommerai pas parce que c'est secret et puis, euh, et, puis, et puis après je rentre à la maison et je pense qu'il sera trop tard pour lancer un stream d'autant que demain matin je serai avec, bah, je vous montre le petit visuel mais ça vous connaissez, avec des journalistes, donc dans la matinée tienne, hein, on fera une revue de presse mais beaucoup plus tôt, vers, euh, à partir de 8h 8h30, quand 1h45 ah non pas 1h45 bon, je ne suis pas 1h45 de voiture hein. oh non pitié quoi, j'aime pas ça la voiture moi demain matin on sera dans la revue de presse mais avec des journalistes, deux journalistes Journalistes d'ailleurs, deux femmes de l'Ardennais pour parler d'information, pour répondre à vos questions sur comment on fabrique l'information, comment on fait les journaux, est-ce qu'on est qu peut faire confiance aux journalistes français, euh, quid de l'indépendance des journalistes en France, quid de la propriété capitalistique des, euh, des, euh, des médias. Euh, donc, c'est des questions importantes et on parlera notamment d'infos locales avec l'Ardennais, qui est un journal euh, d'information régional du côté des Ardennes. L'Ardennais, euh, Ardennes, je pense que vous l'aviez deviné. Donc euh, je me lève super tôt demain matin, donc du coup il y aura peut-être pas et sans doute pas de stream de Valo. Euh, c'est ce que je voulais vous dire. Kenawi, merci pour le soutien à l'instant. Voilà. J'ai quoi comme voiture euh, d'ailleurs j'ai euh... Alors c'est Fallusur qui pose la question. Les habitudes du chat le, le savent. J'ai pas trop les moyens d'acheter une Tesla, un truc euh, euh, zéro émission de CO2, tout ça. J'ai un 4x4 chinois qui roule au charbon. Voilà. Bon, parce que c'était une c'était une occasion, c'était une affaire. Euh, ils n'arrivaient pas à les vendre. Alors, j'ai fait une affaire. Ça consomme que dalle. Euh, je stocke le charbon à la cave près des modos. Euh, une fois tous les 15 jours, hop, ils prennent les petits seaux et ils mettent le charbon dans la, dans la bagnole. Euh, euh, et, <laughs> et voilà, je roule avec un 4x4 chinois qui roule au charbon. C'est comme ça. Bon, quand j'aurai les moyens, euh, je, ferai, je ferai des efforts. Voilà. Si vous voyez... Une voiture un peu bizarre, marron, 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 vert caca un peu, avec une cheminée noire et de la grosse fumée, euh, c'est moi. Dans la région parisienne, il n'y en a qu'une. C'est la mienne. J'ai mis, mis du temps à comprendre la blague, dit Red Metal. Red Metal. Quelle blague La blague. Par rapport à quoi Il y a ton Ballon Bas 78 qui, qui fait un petit, peu son, son, un petit peu son critique. là et dit Bien sûr, tu pas les moyens. Lâche ton sub, ton Palomba 78, puis après tu pourras me faire chier sur les moyens. Les amis... quel <laughs> le bonheur le chat. Euh, lâche ton sub et je lâcherai mon 4-4 chinois au charbon. Là. En vrai j'ai une vieille voiture de case pourrie. Là. Bah, écoutez que dalle parce que je trouve que mettre des thunes dans une voiture, ça n'a pas trop de sens. Voilà. Euh, en vrai. Et je pense qu'écoute moins cher que la tienne. Il euh, y, y a ton Palomba, il est parti, j'ai un autre streamer, mon prime. Ok. Alors là, je ne dis plus rien. Si tu as lâché ton prêt pour un autre streamer, j'enlève ma blague et je dis respect. Ça, c'est cool. Euh, les amis, merci. On va faire un petit raid. On se retrouve peut-être ce soir pour un stream de Valo, mais ce ne serait pas raisonnable parce que je pense que je vais rentrer tard et demain, je vais me lever tôt. Mais vous savez, avec moi et avec ma passion pour ce jeu qui m'a pris mon âme, mon cœur, mon corps, mon temps, mes jours, mes nuits, mon sommeil Valorant, il arrive que je sois pas raisonnable. Euh, et puis je viens d'apprendre que mon amoureuse était partie en week-end avec les enfants. Moi, je ne peux pas parce que samedi matin, j'ai un petit stream surprise sur ma chaîne. Ah, je ne vous ai pas dit ça. Ah, j'ai oublié de vous en parler, ça. Samedi matin, il ouais, y a un MMG qui dit « What ?» J'en ai parlé à personne. Il n'y a que Joe qui est au courant. Ouais, samedi matin, il y a un stream surprise sur ma chaîne. Je prête ma chaîne. Je prête ma chaîne à une copine, à une amie journaliste que j'adore, qui s'appelle Patricia Loison. Qui a présenté le, le Soir 3 sur France 3, qui a présenté, euh, qui a présenté euh, Le Journal du Soir sur France Info. C'est une, une, une journaliste que j'adore, Patricia Loison. Et en fait, elle fait un truc formidable avec des jeunes en, en, en région parisienne, en, en, en banlieue parisienne, pour euh, les, les ouvrir à l'information, à faire de l'éducation aux médias. Voilà. En je crois que c'est en partenariat avec la ville de Vanves, je crois qu'elle fait ça. Et donc, euh, elle fait des tables rondes avec ces jeunes. Alors, je crois que c'est assez jeune, je crois que c'est collégiens. Ou lycéen, mais c'est jeune quoi. Et fait des trucs comme ça, des tables rondes avec des jeunes pour les ouvrir à l'information, parler d'éducation aux médias, tout ça. Tout ça, super. Et il m'a dit récemment, elle dit, Patricia, euh, ah, euh, euh, c'est bien ce que tu fais la Twitch, euh, est-ce que moi aussi je pourrais, euh, tu crois, lancer ma chaîne Twitch parce que j'aimerais faire ça sur Twitch et tout Et je lui ai dit, euh, bah, en vrai, ouais, mais tu veux créer une chaîne, tu vas acheter du, du matos, il euh, faut que tu apprennes au BS. Euh, le logiciel, les trucs, machin. Euh, tu veux recevoir des gens, donc il va falloir de la lumière, des chaises, euh, du micro pour tout le monde. Euh, je, ben, je, je pouvais la conseiller, mais je me disais, Patricia, euh, il, il, il est compliqué ton, ton projet. Quoi. Et donc j'ai dit, si tu, bah, écoute, si tu veux, euh, bah, fais un test, fais un, fais un essai, viens à la maison, je te prête ma chaîne. Voilà. Je te, euh, tu t'installes à côté là, sur la table de l'hebdo là. Il euh, y a un, deux, trois, un, deux, trois, il y a cinq chaises, trois caméras, les lumières, le son, tout le monde en micro chef On fait venir euh, deux fois quatre jeunes qu'on va faire euh, tourner moitié-moitié sur le stream, 4 et 4, 8 Voilà, et Patricia, je te prête les modos aussi, ouais. J'en ai même pas parlé aux modos. Et donc, Patricia, en fait, bah voilà, je lui prête la chaîne euh, euh, le samedi matin pour un projet que je trouvais cool. Et comme ça, euh, elle va voir comment c'est Twitch et tout. Et du coup, je serai. Euh, si, tu, si on sub samedi c'est pour elle ah, bon non ouais, ouais si vous sub samedi c'est pour moi et, et c'est c'est hein. voilà. euh, bon j'ai juste négocié auprès de, de du soutien de Patricia un, une petite petite pige pour pour Joe parce que il fait déjà beaucoup pour moi donc Joe sera à la réalisation et j'ai obtenu un petit une petite pige minimale quand même pour Joe euh, voilà. Joe était prêt à le faire gratuitement d'ailleurs quand je lui ai parlé de ce truc là je lui dis ben bah, non tu tu taffes quand même comme un ouf euh, tu tu m'accompagnes sur plein de trucs, euh, non. Donc voilà, c'est tout. Donc on, voilà donc les subs, c'est pour Bibi. Hein. Voilà. Quel bro le Joe, tu m'étonnes. Donc voilà, ça, c'est. Donc je serai là, je serai là, parce que je passerai ma tête au début. Donc euh, je sais pas, on fait ça à 8h30 ou 9h samedi matin. Et donc je passerai ma tête au début bah, pour dire bah voilà, euh, c'est sur ma chaîne, mais en fait, euh, je vous présente Patricia. Voilà ce que fait Patricia. Euh, voilà le concept. Et ben, et hop, et je lui file les clés, puis je m'asseoir à côté de Joe. <laughs> et puis je lui donne le chat, tout voilà ça va être super on va rigoler puis je reviendrai à la fin pour dire au revoir voilà, ça c'est samedi donc résultat tout ça pour vous dire que de, demain 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 matin on a ça demain soir je ferai du du gaming euh, Patricia elle est journaliste à France Info aujourd'hui Patricia Loison samedi matin il y a ce stream surprise samedi soir il y aura sans doute du euh, du, du gaming dimanche soir ah mais je vous l'ai pas dit ah mais j'ai pas posté Pas posté le Sampley. »« Ah bah ouais, ah ouais, full leak, bah je vais vous le dire. On est quel jour je dis, je vais vous le dire, allez, je vais vous le dire. J'ai pas posté? Eh, encore un leak. OK. Dimanche soir, ça me plaît. 20h. Alors, les habitués le savent, j'ai déjà annoncé le jeu. Lol. Ouais. Je suis tombé dans l'enfer de Valorant. Vais-je tomber dans l'addiction, dans la faille de League of Legends. LOL, dimanche soir. Voilà. Et j'ai invité quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, vous savez aussi que la, la question de la, la parité et de la représentation des femmes euh, sur Twitch, c'est une question qui est très importante pour moi. Et donc, euh, comme j'ai reçu pas mal de garçons ces derniers temps-là, euh, notamment avec Bertrand Amard, notamment avec euh, Néo, le patron de Vitality, tout ça. Et puis, il euh, y a Mister V qui vient euh, la semaine d'après, euh, la pizza de la maman, tout ça. Et c'est vrai, c'est pas une blague. Euh, et bien du coup, j'ai invité une, une amie, une streameuse, et ce sera... Chinou, ce sera Chinou qui vient nous parler de LOL. Voilà, et elle est super contente. Voilà, Et Chinou, c'est la première fois qu'elle qu vient sur la chaîne, ou elle est déjà je ne sais plus. Bref, voilà. Donc c'est Chinou qui vient me euh, présenter LOL. Et en vrai, je suis content parce qu'elle me rassure, parce que comme je ne comprends rien à ce jeu, voilà, je ne comprends rien à ce jeu, mais rien. Et j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui soit gentil avec moi, qui prenne son temps. Voilà, et j'avais. Euh... Oui, j'ai joué avec elle à Valo déjà, mais je crois qu'elle est jamais venue sur la chaîne, quoi. Hein, C'est ça. Hein C'est ça. Euh, C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai vraiment de... besoin de quelqu'un de doux et pas d'un vieux baron de LOL qui se fout de ma gueule pendant euh, trois heures en disant Mais tu comprends rien, quoi. Mister V, c'est la semaine d'après. Eh ouais, Mister V. Ouais, Mister V dans ça me plaît. C'est la semaine, semaine d'après, ça va être n'importe quoi. Donc c'est chez nous. Et j'espère voilà. qu'elle va, va me prendre par la main gentiment pour m'expliquer lol, parce que je pense que je suis un peu trop vieux pour ces euh, conneries. Voilà. Plein de choses. Donc tout ça pour vous dire que beaucoup de choses ce week-end. Et je crois qu'Hélène part en week-end avec euh, les enfants. Voilà. Donc ça veut dire que ça va streamer, ça va cliquer euh, ce week-end. Voilà. Ouais. La pizza de la maman en live, exactement. C'est fou, hein Ouais, c'est incroyable. On vit dans une saucisse. Allez, let's go. Un petit raid. Qui est en live? 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 Ok. Il est sur quoi l'ami là? Hein Alors, ok, moi bah, j'ai choisi. Ok, les amis, hop. Euh, on va aller voir Rivenzi. D'abord parce que c'est un pote. Ensuite parce que c'est un mec super cool. Ensuite, parce qu'il est en train de parler manifestement de haut jeu streamer, l'opération qu'on vous a présentée avec, euh, avec euh, Zerator hier soir, et Rivenzi est parmi les visages, les participants. Donc tout ça drôle, je viens de voir ça à l'instant. Ouais, il est en train de montrer l'affiche. Voilà, on en parlait hier soir avec Zerator. Euh, Rivenzi sera un des participants à cette compétition de sport. Huit euh, sports, huit équipes, huit heures de programme, c'est bientôt. Euh, sur la chaîne de Zera et sur France.tv, c'est parti. Pour le raid, on va voir l'ami Revenzi. Bonne journée, prenez soin de vous, soyez heureux, mettez-moi de la lumière, de la douceur, de la gentillesse dans ce monde, il en a bien besoin. Le raid est en train de charger, et je vous dis à demain matin au plus tard, et peut-être si on est fou, si on est dingue, à ce soir. Le raid, pardon, 3, 2, 1. Merci pour tout, c'était cool ce matin. Ciao, ciao. la chaîne Twitch, je vous ai également. L'événement, il est assez simple en réalité. C'est une olympiade ah bah, tiens, Monsieur Chibre. Des streamers, des créateurs de contenu, euh, des influenceurs. Monsieur Chibre, ça tombe vis -vis. bien. Le timing Merci est quand même. Euh... Des et ils se battent dans des épreuves de sport simplement. Donc il y a du basket, du volley. Le bon timing, timing Monsieur pas, Chibre. D ah, Bonjour ah, tout Marina. le monde. On, on parlait de jeux Streamer, justement. C'est euh, une équipe qui gagne. C'est une journée euh, trop chouette qui vous attend fin avril, euh, qui sera diffusée sur Twitch et France.tv. Merci beaucoup Antoine. Merci beaucoup à Samuel pour le récit de l'événement.